Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, en saluant la présence du directeur de l'UGECAM, que je salue et que je remercie de sa présence au titre de la collaboration entre la ville et cette grande institution de santé de notre territoire, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et j'ouvre le conseil municipal du 8 décembre en demandant à Madame Émilie Desmoulins de bien vouloir exercer les fonctions de secrétaire de séance et bien vouloir surtout procéder à l'appel. Bonsoir à tous, merci Monsieur le Maire. Arnaud Murgia, Présent. Richard Newsbaum, Présent. Catherine Valdener, Présent. Éric Pétieux, Présent. Agnès Yécconversé, Présent. Christian Julien va sûrement arriver, Jean-Marc Iaponi, Présent. Elisa Faure, Présent. André Martin, Présent. Claire Barnéou, Présent. Michel Stripnikov va arriver, Patrick Michel, Présent. Corinne Aschettino, Présent. Monsieur Christian Ferru est excusé et m'a donné pouvoir, Corinne Forbrack, Présent. René Michel, Présent. Christophe Hostie, Présent. Monique Olagnier est excusée et a donné pouvoir à Richard Newsbaum. Renaud Ponce. Présent. Marie Soubranne est excusée et a donné son pouvoir à Renaud Ponce. Hervé Boulet. Présent. Sandrine Cordier est excusée et a donné pouvoir à Catherine Valdener. Johan Lagier. Présent. Maud Gadet. Présent. Maryse Sosa François. Présent. Natalia Sertour. Présent. Elle est là. Michel Solange est excusé et a donné pouvoir à Natalia Sertour, Thomas Schwartz qui est là aussi. Eliane Dany est excusé et a donné pouvoir à Thomas Schwartz, Aurélie Poyot, Gabriel Léon Présent. Et Francine Dardenne. Je vous remercie. Merci, le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal est ouverte. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs qui nous faites comme à chaque fois l'honneur de nous suivre. Je voudrais, en ouverture de cette séance, tout d'abord saluer l'engagement sans faille des agents de la ville lors de cette première chute de neige qui a été plus importante que prévu, comme vous avez pu le constater. Saluer sous l'autorité du maire adjoint chargé des services techniques et des travaux, Jean-Marc Iaponi, de Christophe Hostie, qui l'épaule, l'engagement, le travail exceptionnel de nos agents. Et je sais les attentes importantes en la matière de nos concitoyens. Le travail va continuer naturellement cette nuit, demain. Je sais que tout n'est jamais parfait lors d'une chute de neige aussi importante, notamment dans les quartiers, mais je voudrais assurer l'ensemble de la population de notre implication pour que la ville soit déneigée, propre, et leur dire que l'ensemble des moyens sont mis, en tout cas en votre nom à toutes et à tous. Je voudrais remercier nos agents qui, depuis très tôt ce matin, sont sur le front et naturellement saluer l'engagement conjoint des agents du conseil départemental et de la DIRMED qui ont permis que cette journée se déroule au mieux malgré les difficultés liées à la neige, même si nous pouvons toutes et tous nous réjouir que la neige arrive enfin dans notre station merveilleuse de Serre-Chevalier. Et puis, mesdames et messieurs, je ne peux pas ne pas vous dire un mot, empreint un peu d'émotion, en vous remerciant chacune et chacun d'entre vous, des messages de chaleur humaine, de soutien, d'affection, d'amitié, tout bon confondu, qui m'ont été adressés ces derniers jours. Notre ville a eu à subir des actes inqualifiables dans nos services techniques qui ont occasionné l'incendie de plusieurs véhicules. Faut-il dire la vérité, à côté de la pompe à essence des services qui venait d'être remplie de plus de 10 000 litres de fioul, sans l'action extrêmement rapide des sapeurs-pompiers du CSP de Briançon, que je veux à nouveau saluer et remercier, un drame encore plus grave aurait pu arriver. Et puis, vous comprendrez que j'aurais inévitablement du mal à parler de ce qui me concerne personnellement, mais vous dire que, naturellement, ce qui s'est passé à mon domicile personnel m'a beaucoup atteint, beaucoup touché, atteint mes proches, puisqu'à nouveau, à proximité de la porte d'entrée de mon domicile qui est en bois, ça aurait pu être naturellement beaucoup plus grave. Au-delà de mon cas personnel, dont je ne ferai pas état, puisque ce n'est pas l'objet ni le sujet, et puis j'essaie de vous parler toujours avec beaucoup d'humilité sur ces points, je voudrais vous dire vraiment du fond de mon cœur qu'en République, tout cela est inqualifiable. En République, quelles que soient les raisons et les causes, et l'enquête le diront, on ne s'attaque pas aux véhicules des agents du service public. On ne s'attaque pas au maire, mais au-delà du maire et du symbole, aux personnes, de cette manière-là, parce que ça ressemble à une expédition punitive, ni plus ni moins.
Et je voudrais en tout cas vous dire à toutes et à tous que ma détermination est sans faille et que je ne cède jamais aux intimidations et je pense que collectivement nous ne devons jamais y céder, quel que soit le cas. Parce que c'est à travers tout cela les valeurs fondamentales de la République qui sont attaquées. Et qu'en République, et en l'occurrence dans l'une des plus grandes nations démocratiques du monde, on peut avoir des désaccords, des débats, mais que la violence, surtout quand elle est lâche, quand elle est traître, elle est inqualifiable et elle doit être condamnée. Et je voudrais en tout cas me féliciter des réactions au plus haut sommet de l'État qui laissent à penser que tout ça ne restera pas à la fois sans suite. Et remercier l'engagement au quotidien à la fois de nos sapeurs-pompiers et de nos forces de police qui font un travail exceptionnel. Voilà, vous comprendrez que je n'en dirai pas plus. Je crois que ce n'est ni le lieu ni l'objet, mais en tout cas, je voulais prononcer ces quelques mots, surtout pour vous dire à quel point, humainement parlant, j'ai été touché par votre soutien et celui de nombreux Briançonnais qui m'ont fait beaucoup de bien. Voilà, période qui, qu'on le veuille ou non, est une épreuve. Voilà, pardonnez-moi, il y a un peu d'émotion, mais vous le comprendrez, je crois, aisément. Ce conseil municipal, pour parler de choses bien plus sérieuses et surtout importantes pour l'avenir de notre ville, nous verra examiner les orientations budgétaires. Les orientations budgétaires, vous le savez, c'est à la fois un acte de discussion, de débat, mais c'est aussi le moment où nous faisons part en notre qualité de représentant de l'exécutif municipal, de la stratégie que nous souhaitons développer pour la ville. Nous nous étions engagés à réétaler la dette de la ville. Il nous avait été dit que c'était impossible. Bon, nous présenterons ce soir ce qui a été réalisé, c'est fait. Ça dégage des marges de manœuvre. Et ce que je voudrais vraiment dire, et je le redirai au moment du débat des orientations budgétaires, c'est que nous présentons à la fois un plan d'investissement, mais aussi un plan de financement. Et le plan de financement que nous présentons amènera la ville, à la fin de notre mandature, à repasser sous un niveau de dette de 36 millions d'euros, qui a été atteint pour la dernière fois en 1987. C'est-à-dire que depuis 1987, nous avons toujours été au-dessus des 36 millions d'euros de dette. C'est-à-dire que pour la première fois, la ville, ce n'est pas que notre action, c'est bien entendu le désendettement qui a eu lieu depuis des années, il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais en tout cas la stratégie que nous présentons nous permet d'avoir un plan de financement et d'investissement extrêmement ambitieux. Nous dégageons des marges de manœuvre et nous allons le faire au service de nos agents, et on parlera du régime indemnitaire que nous avons consacré comme une priorité. Parce que nos agents municipaux ne peuvent plus être la variable d'ajustement de la construction des budgets de la ville. Ils ne le seront plus. Et on leur doit ce respect. C'est la dignité aussi des fonctions que nous exerçons. Et malgré ces contraintes financières, et nous en avons quelques-unes, et parmi celles-ci, quelques mauvaises surprises, nous présentons un plan qui nous permet aujourd'hui de nous dire et d'acter que nous n'endettons pas les générations futures. Nous avons une stratégie de stabilité budgétaire très claire, qui est extrêmement soutenable, et qui nous amènera, à la fin de cette mandature, à retrouver une situation qui sera quasiment normale. Je rappelle que nous remboursons depuis des dizaines d'années un total de 5 millions d'euros de dette par an, jusqu'à 2032, et qu'en 2033, on ne rembourse plus rien. On passe de 5 millions d'euros à plus rien. Et que l'objectif était de rembourser un peu moins chaque année, mais sur plus longtemps, parce que ça dégage des marges de manœuvre. Voilà. Donc nous l'avons fait, nous allons vous le présenter, et ça fera partie des grands enjeux, au-delà des investissements qui vont prendre corps. La première année du mandat a été très impactée par des études, qui ont toutes été menées, avec rapidité, avec efficacité. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que le programme sur lequel nous nous sommes engagés, il est en très grande partie sur les rails. Voilà. Le parc des sports, ça va se faire. Le nouveau gymnase, le terrain synthétique, le mur d'escalade qui servira à notre centre de préparation des Jeux Olympiques, ça va se faire. C'est concret, c'est réel, c'est des travaux qui vont commencer. Le programme de modernisation routière, dont les Briançonnais ont déjà vu qu'il était engagé, il va continuer. C'est concret, c'est des travaux qui vont reprendre dès qu'il n'y aura plus de neige. Le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, chère Catherine, cher Eric, ça va reprendre, enfin. Ça fait des années que c'est bloqué. L'ensemble de ces travaux
doublé de la ZAC des quartiers du 15-9, dont nous échangerons et nous débattrons aussi ce soir, même si chacun connaît les engagements que nous avons pris, ça va démarrer. La cité administrative, elle va se faire. Les deux hôtels, ils vont se faire. Le parc, il est agrandi. Les travaux vont commencer au mois de mars ou d'avril. Voilà. Aujourd'hui, ces orientations budgétaires nous permettent de dire que la situation financière de la ville, elle est bonne. Pour la première fois depuis de longues années, le budget des dépenses de fonctionnement baisse. Ce n'est pas qu'il est maîtrisé, c'est qu'il baisse. Parce que nous faisons des choix qui sont difficiles, qui nous voudront aussi de subir des critiques, mais ils baissent. Et ça nous permet de sauvegarder une capacité d'autofinancement et donc une capacité à investir qui est réelle. Voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est tout simplement cela. Nous agissons conformément aux engagements que nous avons pris devant la population. Et la parole politique, elle a un sens. Voilà. Et on ira jusqu'au bout de ces idées avec détermination, comme nous le faisons sur l'ensemble des politiques publiques que nous menons. Parce que derrière cela, il y a un certain nombre de valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons et dans lesquelles nous croyons. Voilà. Et j'aurai un dernier mot, si vous me le permettez, pour conclure ces propos liminaires, sur la crise sanitaire, larvée, dont on voit bien qu'elle repart. Mais pour vous dire que, aux côtés des services du CCAS, avec toi, chère Agnès Thier-Conversé, avec Claire Barnéou, qui, pendant de longs mois, Madame la conseillère départementale, a suivi ces dossiers du Covid aux côtés des services de l'État, avec Corinne Aschettino, qui a été à l'initiative et au pilotage quotidien du centre de vaccination, et à travers elle, je veux remercier l'ensemble des infirmiers, des médecins, des personnels soignants qui ont fait un travail exceptionnel. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour être au service de la population, que ce soit sur, bien entendu, les rappels de vaccination, que ce soit sur la question des tests, et nous venons, Claire, sous ta responsabilité, de mettre en place avec la Fondation Edith Selzer des systèmes de tests à destination des saisonniers pour les remontées mécaniques à la fois pour Serre-Chevalier et pour Montgenèvre. C'est extrêmement important, ça permettra d'assurer un accueil touristique de bon niveau. Et au moment où tombe la première neige, vous comprendrez bien que mes pensées, elles iront tout simplement vers toute la population qui espère enfin passer un Noël normal, un Noël en famille, un Noël empreint de chaleur humaine. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que nous pouvons toutes et tous nous souhaiter dans l'action quotidienne que nous menons, à côté de celles et ceux qui, tout simplement, ont envie de ce retour à la vie, d'une vie normale, d'un premier Noël normal. Et puis, en plus de ça, maintenant, nous savons qu'il y aura beaucoup de neige, et donc un Noël sur les pistes de ski pour toutes celles et ceux qui le peuvent et qui ne travaillent pas. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long, je l'ai été bien trop. Je vous remercie et j'ouvre la séance du Conseil municipal. Y a-t-il des prises de parole liminaires ? Je précise juste qu'après, je vais vous passer la parole. Nous avons quelques questions au Conseil posées par les habitants auxquelles je répondrai. Madame Dardenne, vous avez la parole. Merci. Nous souhaitons donc intervenir sur deux points ce soir. Le premier point concerne le retour du train de nuit, donc le 13 décembre au matin en gare de Briançon. Toutes les communes ont reçu de la part du collectif l'Étoile de Veynes une invitation aux actions qui seront menées tout au long du week-end du 11, 12 et 13 décembre, donc dans 13 gares tout autour de l'Étoile de Veynes, de Valence à Gap jusqu'à Briançon. À Briançon, le 13 au matin, nous accueillerons donc les voyageurs qui descendront du train de nuit qui a été interrompu pendant plus de 9 mois. Et je pense qu'il faut se réjouir du retour du train de nuit, parce que c'est quelque chose d'important pour notre vie quotidienne, pour notre moteur économique, pour les touristes que nous accueillons dans le Briançonnais. Donc je vous ai invité, je ne sais plus si j'ai invité tous les élus ici, mais en tout cas tous ceux de la communauté de communes, et un certain nombre d'entre eux m'ont répondu pour participer à cette action le 13 au matin à 8h22, puisque le train arrive en gare, s'il n'y a pas de retard, à 8h22. Seule Émilie Desmoulins m'a répondu qu'elle ne pourrait pas malheureusement participer à cette action. Donc je voulais vous inviter tous et toutes à nous rejoindre lundi matin en gare de Briançon pour fêter l'arrivée du train de nuit et de ses voyageurs surtout. Le second point que nous voulions aborder est celui de l'accueil des migrants sur notre territoire. Deux prises de position fortes nous ont marquées ces derniers temps,
trois prises de position d'ailleurs, mais là, deux prises de position importantes, dont celui du pape, qui a regretté samedi à Lesbos que l'Europe persiste à tergiverser face aux arrivées des migrants, une Europe bloquée et déchirée par des égoïsmes nationalistes au lieu d'être un moteur de solidarité. Une position aussi prise par les guides de haute montagne rassemblés pour leur assemblée générale à Briançon le week-end dernier, qui ont marqué leur profonde solidarité aux associations qui viennent au secours des migrants qui traversent nos montagnes. Briançon citoyenne a écrit à Madame la préfète le 15 novembre dernier et a signé une lettre commune avec une trentaine d'élus pour lui demander donc de nous rencontrer. Elle a rencontré un certain nombre d'élus, mais malheureusement, d'après ce que j'ai entendu dire, sa position n'a pas véritablement changé. La préfète, donc l'État qu'elle représente, préfère renforcer la présence des forces de l'ordre sur notre territoire. Vous le savez, et la préfète le sait aussi, rendre les frontières hermétiques est illusoire. Nous connaissons tous les effets pervers de cette politique militaire de répression avec son lot de trafic, de passeurs et surtout des risques parfois mortels pris par les réfugiés. Madame la préfète avoue elle-même les trous dans la raquette. Nous considérons que ces trous peuvent être extrêmement dangereux. Elle rejette les responsabilités de la situation pour Briançon, telle qu'on l'a vécue tout au long du mois de novembre, sur les associations, sur les bénévoles, notamment sur le refuge solidaire qui a été contraint de fermer l'accueil des terrasses pour des raisons sanitaires, de sécurité et même juridiques. La préfète d'ailleurs nous dit que l'hébergement d'urgence des exilés incombe aux associations alors qu'il s'agit d'une responsabilité régalienne. Nous vous demandons, monsieur le maire, représentant de la commune, d'être le moteur de cette solidarité, d'ouvrir de véritables discussions avec les associations pour un dialogue constructif, comme vous l'aviez fait l'an passé et qui avait eu un certain nombre de résultats très positifs. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il faut que je vous réponde. Vous voulez que je vous réponde ? Bon, sur le train de nuit, écoutez, merci. Ce qui est bien, c'est que quand il n'y a pas de train de nuit, vous manifestez, puis vous faites des actions aussi quand il revient, donc c'est bien. On peut s'en réjouir. Non, attendez, je vous réponds. Fête. Ça va. Ah, bon, faites la fête. Alors bon, ben, on ira faire la fête avec les Verts. Et puis, ben, sur la question des migrations, vous connaissez ma position. La décision des associations de mettre eux-mêmes tout le monde dehors pour entamer un bras de fer avec l'État, elle est irresponsable. Ça a d'ailleurs été reconnu par la justice de ce pays, Madame Dardenne, que vous le vouliez ou non, puisque en l'occurrence le jugement du juge des référés dispose la chose suivante, c'est qu'en l'occurrence les capacités d'accueil des terrasses solidaires étaient largement suffisantes pour le nombre de personnes qu'il y avait. Donc moi je veux bien qu'on ait un débat là-dessus, mais il faut l'avoir de manière sérieuse. Il y a eu beaucoup là-dessus manipulation politique et politicienne. Vous le savez, je défends en l'occurrence les principes qui sont ceux de la loi de la France, qui dispose que sous certaines conditions on peut être sur le territoire français, sous d'autres on ne peut pas l'être. Et je rappelle qu'accessoirement, la politique du droit d'asile en France vis-à-vis notamment des ressortissants de nationalité afghane est l'une des plus favorables en Europe, puisque 80% à peu près du droit d'asile est accordé, étant donné que le demandeur d'asile l'est fait dans le pays dans lequel il arrive, ce qu'il ne souhaite pas faire puisqu'il ne veut pas le faire en Italie généralement, ni en France pour se rendre directement en Angleterre. C'est donc un problème qui nous dépasse assez largement. Quoi qu'il en soit, je suis désolé de vous dire que je n'accepte pas ce qui s'est passé, que je ne l'accepterai pas, que je ne l'accepterai jamais. Voilà, ni plus ni moins. Et je crains que nous devions là-dessus avoir un débat, si vous le voulez, une autre fois. Mais en tout cas, je ne ferai pas un conseil municipal sur cette question-là, parce que nous l'avons fait de nombreuses fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? S'il n'y en a pas, je vais passer aux questions qui ont été posées par le public. Vous savez qu'on prend à chaque fois des questions. Première chose, une personne nous demande s'il est possible de mettre en place un click and collect à la médiathèque La Ruche. Alors, la réponse est non pour la...
pour la raison suivante. En l'occurrence, ça a été fait pendant les périodes de confinement. Et j'entends qu'un certain nombre de personnes, peut-être parce qu'ils ne sont pas vaccinés, veulent un click and collect, mais en réalité, ça me gêne beaucoup parce que ça conviendrait à mettre en place un service public à deux vitesses, ce qui, à mon avis, me semble difficile et un peu discriminatoire vis-à-vis de la loi. Donc, tant que le pass sanitaire sera en vigueur, il faudra l'appliquer que nous le voulions ou non. On nous demande une autre question, s'il est prévu d'exposer au public les maquettes de la nouvelle cité administrative. Ce sera le cas après que le projet adopté par le jury ait été voté par le conseil communautaire la semaine prochaine, donc nous le dévoilerons naturellement. On nous demande si des paritions de journaux municipaux expliqueront de manière détaillée le projet des quartiers du 15-9, les nouveaux bâtiments. La réponse est oui, bien entendu. Nous finalisons les dernières négociations pour pouvoir faire part à la population d'éléments les plus clairs possibles. Et enfin, il nous est demandé si dans le cadre du réaménagement du hangar zéro en marché couvert, il est prévu de rendre la façade du bâtiment plus attrayante. Je confirme que la rénovation de la façade est prévue. Du pignon sud, qu'elle n'aura pas lieu immédiatement puisqu'il fait trop froid, mais au printemps. Et enfin, une question, alors plus politique, mais je vous la lis tout de même parce que c'est amusant, me demande si, en tant que membre du Parti Les Républicains, j'envisage d'apporter mon soutien à son candidat désigné ou si je privilégierai mes amitiés envers l'actuel ministre de l'Économie et des Finances. Je ne répondais pas à cette question parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec le conseil municipal et que si je parraine un candidat à la présidence de la République, ce qui est en l'occurrence mon droit en tant que maire, je le ferai savoir puisque c'est de toute façon public. Et qu'à ce stade, ça n'est pas le sujet du jour. Et vous avez bien vu que je n'ai pas pris part aux questions politiques nationales ces derniers mois. Voilà pour les questions au public. Et si vous en êtes d'accord, je vais ouvrir l'ordre du jour du Conseil en vous demandant s'il y a des questions sur le compte-rendu de la séance du Conseil municipal de la dernière fois. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Il est adopté. Y a-t-il de la même manière des questions sur le compte-rendu des décisions du maire? Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Pour la 196 et la 197, pour l'octroi de la protection fonctionnelle pour nos deux policiers municipaux, on n'a pas eu le temps d'en parler lundi en commission. Je voulais savoir qui s'était passé pour que... Attendez, vous me dites quelle décision, pardon ? 196 et 197. Oui, tout à fait, une menace de mort sur nos policiers municipaux. Pardon, excusez-moi. Menace de mort sur nos policiers municipaux. Voilà. Dans quel cadre ? Dans le cadre de leur service. Non, mais il y a service et service, quoi. En ville, enfin, ça devient choquant, quoi. De menacer de mort des agents dans militaires. Le cadre de leur service, en l'occurrence dans l'un des squares de la ville dans lequel ils ont interpellé des personnes qui en l'occurrence si on peut dire les choses telles qu'elles sont, troublé l'ordre public. Ils ont été menacés de mort en l'occurrence et une enquête a été ouverte par le parquet. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets le compte-rendu des décisions aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée et je passe immédiatement la parole à Monsieur le Premier Adjoint pour les deux premières délibérations. Merci Monsieur le Maire. Donc cette délibération a pour sujet l'octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire. Comme vous le savez, le véhicule du maire a été incendié devant son domicile dans la nuit du mardi 23 novembre dernier. Une plainte a été déposée, une enquête confiée par M. le procureur de la République à la division de la police judiciaire de Marseille. Enquête qui est en cours. Trois jours après un premier acte criminel commis au service technique contre les véhicules de la ville, c'est donc un second acte d'une violence inqualifiable et dénoncée au plus haut niveau de l'État que votre ville a eu à vivre. Je veux à nouveau à cette occasion m'associer à tous les élus de la majorité pour apporter notre soutien au maire et à ses proches. Cette délibération accordant la protection fonctionnelle vise tout simplement à permettre à la ville de prendre en charge les frais juridiques liés aux procédures en cours pour le compte de monsieur le maire, ce sont donc les frais d'avocat, à permettre à la police d'assurance de la ville d'être appelée à l'indemnisation du préjudice. Donc je vais mettre cette délibération au vote.
qui est contre s'abstient. La délibération est adoptée. La deuxième délibération a pour sujet le véhicule que l'on souhaite mettre à disposition du maire dans l'exercice de ses fonctions. Cette délibération complète la délibération précédente, tout simplement puisqu'à la suite des événements de ces dernières semaines, nous avons estimé qu'il était préférable que le véhicule utilisé par M. Murgia dans ses fonctions de maire soit désormais pris en charge par la ville. Cette mesure vise d'une part à suppléer dans l'urgence aux besoins de déplacement du maire, qui dans l'attente bénéficie d'un véhicule de location. Et d'autre part, il nous semblait naturel, après cet événement particulièrement choquant, je précise, il nous semblait qu'il était important qu'on mette à disposition donc, ce véhicule pour les déplacements du maire. Les déplacements, bien sûr, dans le cadre de sa fonction. Je précise donc de ce fait que M. le maire ne bénéficiera plus de remboursement de frais kilométriques dans le cadre de sa fonction. Donc je vais mettre cette délibération aux voix. Il y a une prise de parole de Mme Dardenne et de Mme Sertour. Oui, je ne comprends pas très bien le lien que vous faites avec entre les deux délibérations, mais ce n'est pas grave. On a eu un certain nombre de réponses à nos questions en préparation du Conseil. Donc, on a eu toutes les réponses, d'ailleurs, en préparation de Conseil. Et donc, nous voterons pour cette délibération. Merci. Je vous en remercie, ça me touche beaucoup. Merci. Madame Sertour, vous avez la parole. On a eu les mêmes explications lundi pendant les commissions, mais certaines explications ne nous conviennent pas à Solange, Élie et moi. Donc nous allons voter contre. On voudrait juste faire un état des lieux d'un calcul. Quoi. Ce calcul nous a choqués en fait en disant que 500 euros de leasing par mois pendant 54 mois qui vous reste de mandature, ça fait 27 000 euros. C'est tout, c'est ce qui nous a choqués. On pensait que vous pourriez vous acheter un véhicule avec les 3 indemnités que vous cumulez de vos 3 mandats. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez quand même votre véhicule. Il faut bien que vous circuliez. Nous espérons que vous prendrez un véhicule, que vous choisirez un véhicule électrique ou hybride pour monter l'exemple de notre belle vallée. Comme vous le redites assez souvent, votre attachement pour notre territoire. Voilà, c'était tout. On s'abstiendra de tout commentaire autre pour ne pas faire polémique. Il faut bien que vous ayez un véhicule. Ben moi, je vais essayer de vous répondre, Mme Sertous, de façon brève et concise sur le questionnement et vos remarques sur cette délibération numéro 2. Moi, je souhaitais, en mon nom et au nom des élus de la majorité, vous dire sans acrimonie détendue que votre publication sur un réseau social au lendemain de l'acte délictueux était infâme et misérable. Je vous arrête de suite, monsieur Nussbaum, parce que ce n'est pas... Je vous arrête de suite. Continuez à parler. Vous laissez parler, monsieur le Premier. Non. Je vous rappelle que c'est moi qui... Oui, mais c'est pas grave, je vais parler fort. Cette publication est indigne. Ça a été publié le 21 novembre. Oui, cette publication... Monsieur Murgia, vous avez été incendié quand? La nuit du 23 au 24 novembre. Et il s'est passé quoi? Madame, il s'est ma passé publication n'a rien à voir avec... D'accord, bien sûr. Donc a priori, alors par contre, quand c'est mon véhicule, ça vous gêne. Mais par contre, quand c'était le véhicule de service saisie, ça ne vous gênait pas. Tout. Madame, allez, arrêtez. Et bon, mes réseaux sociaux sont... Dans tous les cas, Madame Sertour, cette publication, quelle date du 21... Rallume ton micro. Quelle date du 21, du 23, du 28, elle est indigne. Elle ne vous regarde pas, mon Facebook est personnel, on a un Facebook Briançon d'abord, je n'ai jamais rien écrit sur le Facebook de Briançon d'abord. Vous n'avez juste pas la parole en fait. Mais en fait, vous non plus, vous n'avez pas la parole pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Madame, quoi, en dans un conseil municipal, il y a des règles qui font qu'en l'occurrence, oui, article 22 du règlement intérieur. Donc là, vous n'avez pas la parole. Donc je vais finir mon propos, s'il vous plaît. Donc moi, je pense que cette publication, qu'elle soit du 22, du 23... du 27, du 30, du 1er, ou du 29 février, je m'en fous, elle est indigne d'une élue de la République. Voilà, tout simplement. Alors, pour revenir à vos propos, je vous invite à prendre part démocratiquement au vote de cette délibération. Il ne sera à cette occasion pas question de vent, de tempête ou de toute information météorologique. Vous avez donc le droit, si vous souhaitez, de vous opposer en votant contre. C'est ce que vous allez faire. Je vous remercie.
Donc, je vous le redis maintenant, puisque j'ai le droit à la parole maintenant, puisque vous m'avez accusé. Non, je ne vous accuse pas. Ah ben si, vous m'avez accusé. Je constate. De plus, je rappelle que tout chantage ou menace, je peux aller directement à la police parce qu'on n'appelle pas les personnes avant le conseil municipal pour dire que je n'ai pas à prendre la parole ce soir sur cette délibération. Personne n'a dit à dire à mes collègues que je n'ai pas à prendre la parole sur une délibération. Que ce soit bien clair. Je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? 3, d'accord. Qui s'abstient ? D'accord, donc cette délibération est adoptée. Merci, monsieur le premier adjoint, pour passer à des choses plus gaies et plus sympathiques. Je vais présenter les orientations budgétaires pour 2022. Alors, oui, pardonnez-moi, juste un comptage de vote. Madame, vous avez le pouvoir de... D'accord, donc monsieur Chouard, quel est votre vote ? Alors, Élie vote contre, moi je vote pour. Très bien, merci beaucoup. Merci, je vais passer aux orientations budgétaires. Vous dire que ces orientations budgétaires qu'on va examiner vont tout d'abord nous amener à examiner et regarder la stratégie de refinancement des emprunts de la ville que je voudrais, dans un premier temps, si vous voulez bien les diffuser à l'écran, vous présenter. Depuis près de 20 ans, la ville elle se désendette significativement et vous le savez. En début d'année, nous étions à un encours de dette de 48 millions d'euros alors que nous avons atteint par le passé des sommets à plus de 90 millions. Mais malgré la baisse de l'encours, c'est-à-dire la baisse de la masse globale d'emprunts et d'endettement que nous avons, le niveau de dette que nous remboursons chaque année ne baisse pas et ne baissera pas. Et c'est ça qu'il faut garder en tête puisque c'était pour ces raisons que nous souhaitions renégocier, réétaler cette dette, je l'ai expliqué tout à l'heure, payer moins chaque année et payer plus longtemps, tout simplement, pour se redonner un peu d'oxygène. Très concrètement, qu'est-ce que nous avons fait ? Vous allez le voir assez rapidement. Nous avons travaillé sur l'ensemble des emprunts de la ville et nous avons identifié un certain nombre d'emprunts, 4 en l'occurrence, qui permettait une négociation et un réétalement. Pourquoi ? Soit parce qu'ils n'avaient pas d'indemnité de remboursement anticipé. Vous savez que nous pouvons tout à fait, en l'occurrence, payer la totalité d'un emprunt et le refinancer sur une durée plus longue via un autre établissement bancaire. C'était l'une des parties de la stratégie. Ou négocier avec des établissements bancaires qui nous permettaient, via un refinancement, de prendre en compte cette indemnité de remboursement anticipé et via le jeu des taux actuels et du lissage sur les années supplémentaires, en sachant que nous visions globalement une période de 6 années supplémentaires environ, nous permettait de lisser la charge. C'est ce que nous faisons sur, en l'occurrence, 4 emprunts, un de la caisse d'épargne, un du crédit mutuel, un du crédit foncier, un de la caisse des dépôts et consignation, qui chacun vont nous permettre, pour le premier de la caisse d'épargne, d'amortir 90 000 euros de moins entre 2022 et 2026. Pour le crédit mutuel, 55 000 euros de moins par an jusqu'en 2032. 55 000 euros de moins par an, hein, je précise bien. Pour le crédit foncier, 46 000 euros de moins jusqu'en 2032. Pour la baisse de la caisse des dépôts et des consignations, une baisse moyenne de 75 000 euros d'amortissement sur la période 2022-2032. En fait, en fonction des négociations, la durée, naturellement, est plus ou moins longue. Vous avez donc un comparatif de l'annuitée entre l'amortissement et l'annuité avant et après réaménagement, ce qui vous permet de visualiser tout simplement année après année les sommes que nous allons rembourser en moins. Donc vous le voyez, la négociation est ainsi faite que ce que nous payons un peu en plus, puisque par la force des choses, quand vous renégociez sur un peu plus longtemps, vous payez un peu plus, n'impacte la situation de la ville qu'à partir de 2033. 2033, année où nous n'avons plus aucun emprunt. C'est-à-dire que nous passerons de 5 millions d'euros par an remboursés à peut-être
100 000, 200 000, 300 000, en fonction des choix que nous ferons d'ici 2032, ce qui sera très peu impactant pour nous, puisque la ville peut largement supporter un remboursement d'emprunt de l'ordre de 1 ou 2 millions d'euros par an. De 5 millions, non, c'est beaucoup trop, et on le sait depuis 30 ans maintenant dans notre ville, mais d'une hauteur à peu près classique et traditionnelle, oui, nous le pouvons. Donc, très concrètement, sur la période de cette unique mandature et sur 5 ans au lieu de 6, nous allons économiser 961 000 euros. La baisse moyenne d'amortissement sur la période jusqu'à 2032, c'est 220 000 euros par an, jusqu'à 2032. Hein. Et globalement, un surcoût global d'intérêt de 27 000 euros en moyenne par an, donc c'est très peu par rapport aux économies que nous faisons. Ce qui vous permet, en dernière page, de voir la simulation qui nous montre l'extinction de la dette sur le périmètre des 4 contrats. Et vous voyez donc que nous nous retrouvons avec des sommes après réaménagement qui restent tout à fait soutenables et qui nous permettent de nous donner un peu d'oxygène. Le deuxième point, et donc vraiment je voudrais vous dire que c'est un an et demi de travail important, mais qui nous permettent aujourd'hui de nous dire que nous faisons baisser les dépenses de fonctionnement, parce que vous le savez, le remboursement des intérêts de la dette en particulier, et rembourser sur le budget et les dépenses de fonctionnement. Tout cela, ça a un impact très concret. C'est que politique de réétalement de la dette que nous mettons en œuvre, accompagnée d'un certain nombre de choix que nous avons faits de maîtrise des dépenses et de réduction des dépenses sur un certain nombre de postes, puisque vous avez toutes et tous consenti dans les budgets qui sont les vôtres à un certain nombre de mesures d'économie que nous avons décidées ensemble, nous amène à vous présenter des orientations budgétaires qui, en 2022, auront pour la première fois depuis bien longtemps des dépenses de fonctionnement qui baissent. Ce n'est pas totalement neutre. Généralement, les dépenses de fonctionnement, ça augmente toujours. C'est maîtrisé, ça augmente de 2, 3, 4%. Nous avons, pour 2022, des dépenses qui baissent, c'est un acte politique fort, et qui, vous le verrez après, sont capées à plus 0,8% par an. Donc, nous sommes sur vraiment une stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui est forte, qui nécessitera naturellement de s'y tenir avec tout ce que cela entend. Tout cela, c'est le corollaire, si j'ose dire même le préalable, d'une politique d'investissement qui démarre de manière très forte, si j'ose dire, dès l'année 2022. 2022, c'est naturellement le démarrage des travaux sur le parc des sports. Ce sera dans un premier temps les travaux sur le plateau du Serginier, le nouveau mur d'escalade, qui nous accompagnera, qui sera l'outil principal de notre qualification en tant que centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on souhaite qu'il soit prêt pour l'année 2023. Et puis le nouveau terrain de rugby qui sera sur le plateau du Serginier, qui permettra, une fois qu'il sera en service, d'avoir au moins un terrain quand nous ferons les travaux sur la partie basse, puisque sur la partie actuelle, sur l'actuel terrain de foot, on aura le nouveau gymnase, et sur l'actuel terrain de rugby, le futur terrain synthétique. Donc c'est le début de grands travaux, ce sera 2 millions d'euros par an qui seront consacrés au parc des sports. Ce sera le redépart, si j'ose dire, du SIAP, juste au-dessus de nous, mais c'est un dossier qui a été arrêté pendant trop longtemps. Les accords ont été trouvés avec la DRAC et nous en sommes maintenant sur des procédures administratives pour trouver un nouveau maître d'œuvre et reprendre ces travaux. Ce sera bien entendu des programmes de rénovation des routes qui seront importants. La fin définitive de la deuxième partie de l'avenue Adrien Dorel, en se félicitant du travail qui a d'ores et déjà fait, puisque deux parkings nouveaux ont déjà été aménagés. Et puis, Jean Moulin qui a commencé et qui sera finalisé en 2022, avec en plus la continuité de la Via Guisane, une voie verte qui, côté Guisane, sera construite. Ça nous semblait être vraiment un sujet très important. La seconde tour de la collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas qui démarrera dans les toutes prochaines semaines dès le départ de la neige. Et puis, naturellement, des investissements importants que nous conservons à la fois dans les quartiers
Et puis dans les écoles, la cour de Saint-Blaise, elle sera réalisée, et nous continuerons dans chacun des quartiers ces investissements qui sont des investissements d'embellissement de la ville, de confort, de petits travaux qui ont été notre priorité, vous le savez, depuis maintenant 14 mois. Et puis, deux choses que je souhaitais citer, à l'initiative de Madame la maire adjointe chargée de l'environnement, l'investissement sur les capteurs de qualité de l'air. Vous savez que nous n'avions plus de capteurs de qualité de l'air. Donc il était extrêmement difficile de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, puisque l'ensemble des mesures qui étaient prises étaient faites sur des calculs, sur des simulations. Donc on aura de nouveaux capteurs qui nous permettront de répondre à ces questions, autant pour les organismes qui en ont besoin potentiellement type Météo France, que pour mesurer au quotidien la qualité de l'air dans notre ville. Bien entendu, le sujet connexe, mais vous avez voté une délibération, l'installation du programme de vidéoprotection. Et enfin, sujet très important, c'est le lancement important de l'étude de réhabilitation de l'ancien site de Rhône Azur, qui fait déjà l'objet d'un appel d'offres pour recruter le bureau d'études, et qui nous verra dans le courant de l'année 2022, je l'espère, procéder vers l'établissement public foncier régional à l'achat du site de Rhône Azur pour entamer sa réhabilitation au service de l'accession à la propriété et au service de l'urbanisation que nous souhaitons, à la fois durable et esthétique, dans ce site, cher André Martin, qui est si beau. Et puis, dernier point, nous continuons naturellement à investir dans la ZAC des quartiers du 15-9, à la fois à travers la participation de la ville, mais des investissements privés. Le bâtiment à côté de la médiathèque, le Berwick 2, le B2, a déjà fait l'objet d'un compromis de vente et d'un permis de construire pour y construire le premier hôtel Millennials. Je crois pouvoir dévoiler, monsieur le premier adjoint et monsieur l'adjoint à l'urbanisme, que dans les tout prochains jours, c'est-à-dire sous moins de 10 jours, nous signerons le compromis de vente du bâtiment Colo pour y faire un hôtel 4 étoiles. Nous dévoilerons à cette occasion à la fois le promoteur et l'exploitant, mais c'est évidemment une question de jours. Le projet de cité administrative a été dévoilé, a été voté, adopté par le jury, il sera dévoilé et voté par le conseil communautaire, je l'espère, la semaine prochaine. Les travaux du parc ont été notifiés, ils démarreront dès le mois d'avril, je l'ai dit tout à l'heure, et l'ensemble de l'ingénierie nous permettant d'imaginer à quoi ressembleront les espaces publics sur nos places, mais aussi sur la place de l'Europe et sur l'avenue du 15-9, sont programmés pour les mois qui viennent. C'est donc une modification, une transformation, une rénovation profonde de l'ensemble du centre-ville et de la ZAC qui vont intervenir dans les prochains mois et dans les jours qui viennent. Naturellement, un engagement pris et qui sera tenu, c'est l'inauguration auquel j'invite toute la population, bien entendu, du marché couvert, le 22 décembre, cher René Michel, qui nous dotera enfin de cet équipement. Et quand on voit ce matin les 15 courageux exposants qui étaient tout de même sur le marché, on se dit que nous avons trop attendu cet équipement qui sera finalisé, qui prendra sa pleine complétude, si j'ose dire, au printemps, quand on finalisera les derniers détails, mais qui sera en mesure d'être ouvert. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce programme pluriannuel d'investissement, ces dotations budgétaires, il est adossé à un plan pluriannuel de financement. Ce que nous présentons aujourd'hui, à la fois avec la stratégie de réétalement de la dette, avec notre stratégie sur à la fois les nouveaux emprunts que nous pourrons souscrire, ce n'est pas arrivé depuis des dizaines d'années à Briançon, mais malgré ces nouveaux emprunts souscrits, nous passerons en dessous, je le redis, du seuil des 36 millions d'euros à la fin du mandat. Seuil qui avait été dépassé depuis 87 continuellement. Donc ce que nous présentons aujourd'hui, c'est à la fois un plan d'investissement, mais à la fois un plan de financement. La stratégie, elle est claire. Et je le dis avec peut-être un peu d'ironie, mais malheureusement, c'est la réalité. Entre ce que nous avons pu découvrir dans les premiers mois de notre mandat, les mauvaises surprises de la SPL des eaux, les dépassements plus d'1,4 million d'euros sur la ZAC, ou les dossiers contentieux qui ont fait montre malheureusement d'une gestion calamiteuse des ressources humaines sous la précédente mandature. Je rappelle que cette année, nous sommes ni plus ni moins condamnés pour quelque chose qui s'est passé en 2009 à payer plus de 500 000 euros
pour la mise à l'écart d'un ancien directeur général des services de la ville. On a parfois eu le sentiment, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, on a parfois eu le sentiment que lors de la précédente mandature, si vous voulez, vous êtes passé en fait dans les rayons, vous vous êtes servi, et quand on est arrivé à la caisse, c'était nous qui tenons le caddie pour payer. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais avoir la clarté de dire que nous avons vraiment à la fois la capacité de présenter des investissements qui sont ceux qui étaient nommément et clairement écrits dans le programme. Il n'y a aucune surprise. Et au bout de 16 mois, tous ces investissements sont à la fois lancés, mais surtout, ils sont financés à l'euro près. Et je voudrais, pour clore cette présentation des orientations budgétaires, saluer les cofinanceurs qui sont extrêmement présents. Bien entendu, le conseil départemental et la région qui s'est extrêmement mobilisée sur la modernisation du parc des sports, mais aussi l'État, puisque nous avons appris il y a quelques jours que, même si cela concerne plus particulièrement la CCB, mais nous aussi, que nous étions éligibles au fonds Friche, qui nous amènera des financements supplémentaires pour le projet de cité administrative, qui se verra probablement, normalement, cofinancé à plus de 60% pour un projet à 14 millions d'euros. Je crois que ce n'est pas neutre dans notre ville. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en vous présentant ces orientations budgétaires. Elles sont transparentes, elles sont claires, elles sont honnêtes. Et quand je dis transparentes, je le dis avec d'autant plus de sincérité que nous avons immédiatement pris la décision en arrivant de placer nos investissements sous l'égide des autorisations de programme et des crédits de paiement, ce qui permet à tout un chacun d'avoir la clarté la plus totale sur les dépenses telles qu'elles sont prévues et telles qu'elles sont payées et dispensées chaque année. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être plus long, j'ouvre le débat, je rappelle qu'il n'y a pas de vote à l'issue des orientations budgétaires, mais nous avons bien entendu un temps de débat. Qui veut la parole? Madame Poyot. Oui, merci monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'avais pas forcément prévu de dire certaines choses, mais bon, puisque vous êtes parti à la fin de vos orientations budgétaires sur certains points, je vais aussi dire que finalement, je suis un petit peu comme vous, monsieur Murgia, parce que je comprends tout à fait que c'est très déroutant quand on arrive dans une municipalité et qu'il y a des mauvaises surprises. Et je comprends, hein, vous avez cité les mauvaises surprises que vous avez trouvées à l'époque. Rassurez-vous, nous aussi, on a trouvé des mauvaises surprises et c'était pas facile. Je comprends. Les 4,5 millions de l'Aigle Bleu, par exemple, c'était une mauvaise surprise. 4,5 millions, vous vous rendez compte? C'était dur. Et puis après, une autre mauvaise surprise, plus d'un million pour une subvention d'une bibliothèque qui n'avait jamais été faite. Donc je comprends tout à fait, des mauvaises surprises, il y en a parfois. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas toujours sympathique quand effectivement on a l'impression que les autres avant se sont servis et n'ont pas fait les choses comme il fallait les faire. Donc, c'est voilà. Un peu récurrent chez vous parce qu'au département, rassurez-vous, comme M. Truffam est parti, c'était la même. Hein. Laissez-moi finir et puis après on échange. Mais voilà. Je craignais que vous n'aviez fini, mais non, c'était vous sous-estimé, cher ami. Mais voilà, vous avez jeté. Voilà, une lance, je l'ai attrapée, mais sans, voilà, sans animosité aucune de ma part, vous le savez très bien. Concernant les orientations budgétaires, bon, bien évidemment, on n'a pas la même lecture, notamment concernant ce que vous avez pu dire sur la stratégie de renégociation des différents prêts. Voilà, on trouve que finalement, on arrive avec une épargne nette qui va rester à peu près 1,2 million, alors qu'on aurait pu penser qu'avec cette renégociation de la dette, on ait des marges de manœuvre un peu plus importantes. Est-ce que je peux juste vous répondre là-dessus, qu'on ait la discussion comme vous voulez? Si vous voulez, réponds à la fin, ce que vous préférez. N'oubliez pas juste que 2020, c'est plus d'un million d'euros qui manque au budget de fonctionnement de la ville du fait du Covid. Et vous le verrez, puisque... sans dévoiler le travail qui a été fait par la Chambre régionale des comptes, mais il a été collaboratif, mais sur 2021, c'est plus de 650 000 euros tout de même. Donc rassurez-vous, il n'y a pas que les 500 000 euros qu'on va devoir payer ou d'autres choses, il y a tout de même l'impact de deux années Covid qui pénalise les recettes de fonctionnement et donc l'épargne nette. Oui, d'accord, mais bon, bref, ok.
On a quand même, et vous l'avez dit vous-même en réunion, il y a quand même des orientations budgétaires assez prudentielles. Et au regard du PPI et des plans d'investissement que vous avez notamment sur le parc des sports, on aurait pu imaginer une épargne nette un peu différente. Ensuite, vous avez détaillé un certain nombre de projets sur la ZAC, sur la vidéoprotection, sur le sport. Hein, vous revenez beaucoup donc sur ce projet du sport, etc. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que dans vos orientations budgétaires, il n'y a rien pour le social. Si ce n'est, la continuité de ce qui a déjà été fait, mais sinon rien de novateur. Pourtant, malgré, comme vous venez de le dire, la crise Covid que nous subissons depuis 2 ans, rien sur le social, rien sur le logement, les logements sociaux de manière générale. Alors oui, on attend effectivement ce qui va se passer dans Rhône-Azur, mais pas une ligne sur le logement social. Le logement social, bien sûr, énergétiquement performant, parce que là aussi, sur la rénovation thermique, sur le gaspillage, sur la transition énergétique, pas grand-chose. Oui, si vous nous avez appris les capteurs d'air, pourquoi pas, mais sinon, pour le reste, il n'y a absolument rien. Rien sur l'aménagement urbain écologique. Et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, lorsque l'on a fait le jury de concours concernant le parc des sports. On a parlé, par exemple, de la démarche BDM, rien. La démarche AEU, rien. Donc là-dessus, on n'a effectivement pas la même lecture. Si on continue aussi dans le... Vous voulez répondre, peut-être ? Si on continue la biodiversité, rien. Et puis, point final, sur la gouvernance citoyenne, alors là, c'est pas au cœur de vos décisions. Visiblement, vous ne croyez pas à l'intelligence collective. Vous avez parlé tout à l'heure du marché couvert, concertation, rien. Donc voilà, on a un petit peu nous balayé ce qu'on attendait dans un débat d'orientation budgétaire sur ces points-là. Et malheureusement, nous n'avons rien trouvé. Bon, très, très rapidement, je comprends votre position, c'est normal. Moi, je voudrais juste vous dire toutefois, parce que je tiens vraiment à défendre le travail qui est fait par Annie Astier-Converset et par l'ensemble des élus, à la fois au logement, et je les salue toutes et tous, et à travers eux, les agents. Je m'excuse, vous savez, sur les solidarités et sur le social, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut faire son travail et maintenir les budgets. La première des choses, c'est que je me permettrai de vous dire que le budget, en l'occurrence du CCS et de l'ensemble de nos politiques publiques au titre de la solidarité, il n'y a jamais été retiré un seul euro. Première des choses. Deuxième chose, c'est qu'en l'occurrence, ce sont des politiques qui n'appellent pas de l'investissement. On n'a pas envie de construire un nouveau CCS, quoique si, puisque en l'occurrence, il y aura un équipement qui sera au service des familles, de l'enfance, dans la nouvelle cité administrative. Après, je comprends bien que vous vouliez, sur ce sujet qui est l'un de vos marqueurs, en faire plus, mais nous considérons qu'en l'occurrence, au niveau des politiques d'aide à la personne, de la solidarité, de l'aide à domicile, ce qui a été fait a été bien fait, et qu'en l'occurrence, nous sommes au niveau. Voilà. Je rappelle accessoirement que sur le logement, nous sommes en train d'entamer sous cette mandature une politique de rénovation du parc social qui n'a jamais été mise en œuvre. Alors, vous jugerez sur pièce à la fin du mandat, mais en tout état de cause, vous connaissez là-dessus la politique qui est la nôtre en la matière. Après, dernier point, mais sur l'aspect de démocratie qui vous est cher, je sais que vous voulez de la démocratie citoyenne et des collectifs partout. Malheureusement, vous le savez, nous sommes des gens qui pensons que la légitimité, nous la tirons du suffrage universel, et en l'occurrence pour 6 ans, et que désormais nous sommes là, non pas pour ne pas écouter les gens, parce que nous consultons, je reçois beaucoup, l'ensemble des élus de la majorité reçoivent, consultent, sont dans les quartiers, sont sur le terrain, mais nous sommes là à la fois pour prendre des décisions, pour faire le travail et pour être efficace, et non pas pour monter une commission de travail à chaque fois qu'il y a un problème. Vous noterez tout de même qu'en termes de démocratie institutionnelle, l'opposition est tout le temps représentée, tout le temps écoutée. Voilà. Et que quand on n'est pas d'accord, on vous le dit, mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas, je crois, nous faire ce reproche. Madame Astier-Converset, vous voulez la parole. Oui, simplement bonjour à tous. Simplement, je voudrais préciser quand même que concernant le logement, nous sommes en train d'embaucher quelqu'un, là, qui va justement avoir pour mission de s'occuper du logement en particulier,
de répertorier tous les logements qui peuvent être vacants, de répertorier aussi tout ce qui est logement indécent et de répertorier tout ce qui est logement en règle générale, de façon à pouvoir répondre à toutes les demandes qui pourront nous être faites. Au-delà de ça, ce qui pourra être fait et ce que nous voulons faire, c'est pouvoir arriver à cibler le plus rapidement possible les personnes en difficulté, de façon à pouvoir les aider, ou tout du moins intervenir dans leur situation, avant que la dette qui est liée au logement ne soit trop forte et qu'ils les mettent dans une situation très délicate. Merci Madame le maire adjoint. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Ah pardon, Madame Waldener. Oui, Madame Poyot, j'ai entendu vos grandes idées pendant un certain nombre d'années, n'est-ce pas ? Les orientations fortes, les orientations budgétaires, sociales. Moi, je vais aller plus loin que les mauvaises surprises dont vous parlez, parce qu'il y a des choses un peu importantes auxquelles on réfléchit, et notamment la politique sociale et la politique envers le personnel. Parce que des grandes idées, c'est bien, mais les mettre en application, c'est mieux. Voilà. Donc, on a entendu pendant des années, surtout, nous maintenons les charges de fonctionnement, c'est fantastique. Oui, c'est bien, mais c'était quand même au détriment des agents. Parce que si on réfléchit bien, il y avait 50 à 70 agents qui n'avaient pas de régime, qui n'avaient pas droit au régime indemnitaire. Ou alors certains avaient des indemnités absolument dérisoires, de l'ordre de 35 euros, parce que c'était seulement la référence au grade. Alors là, on met en place le RIF7. Et le RIF7, on aurait pu le mettre en place avant, mais vous n'avez certainement pas jugé bon de le faire. Et le RIF7, ça veut dire moderniser les régimes, ça veut dire reconnaître la valeur des agents, ça veut dire faire des constats de compétences. Et par-delà ces constats, fidéliser les agents et leur donner envie d'aller plus loin aux côtés de cette ville. Alors, à la clé, il y a aussi des améliorations de conditions de travail, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'investissements non plus dans les chasse-neige, dans un certain nombre de choses. Et tous ces éléments concernaient surtout des petits salaires. Hein, vous revendiquez toujours les choses, mais là, on considérait les petits salaires parce que c'était des agents plutôt des cadres C. Et c'est là qu'il y a le plus de dysfonctionnement. Alors évidemment, c'est un coût. Et le coût, justement, ça représente à peu près le bénéfice de la négociation de la dette. Alors vous voyez, on réfléchit loin. Et ça, c'est des vrais engagements de politique sociale. Merci Madame le maire adjoint. Je conforte ces propos. Le RIF7 a un coût. Dans notre budget de fonctionnement, nous l'assumons. Il sera mis en place et avec un vrai changement pour nos agents. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les agents ne peuvent pas être la variable d'ajustement du budget, voilà, consistant à être toujours à la même stabilité. Voilà. Ce n'est pas de la démagogie vis-à-vis des agents, pour leur faire plaisir, c'est juste qu'à un moment, on a été très endettés depuis 30 ans, et on a toujours serré les vis sur les agents, il est temps à un moment de dire qu'ils doivent être à un moment sujets à un régime indemnitaire qui les met en valeur un minimum. Monsieur le maire adjoint chargé des travaux et des services techniques. Merci monsieur le maire. Concernant la, vous avez parlé d'une la prudentialité de notre politique et de notre PPI, je ne crois pas que nous ayons manqué d'ambition, ne serait-ce que sur la voirie, car depuis des années, nous n'avions pas vu sur Briançon les travaux d'envergure qui ont été engagés. Je vais vous faire grâce de les énumérer, mais voilà, les Briançonnais jugeront. Alors, je vais donner la parole à Mme Poyot, puis après à M. Pétieux, et après à M. Schwartz, et à M. Michel ensuite. Et je clôturerai le débat après M. Michel. Mme Poyot, comment ? Oui, alors, bon... Votre micro, s'il vous plaît. Oui, pardon. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, hein, sur la politique sociale, il y a effectivement tout le régime indemnitaire des agents, et effectivement, c'est une très bonne chose que la RIF7 se mette en place. Elle ira... dans la suite de ce qui avait été mis en place, et vous pouvez en parler avec les agents, à l'époque de la mise en place de la mutuelle. Et vous verrez, lorsque l'on parlera dans une délibération suivante des mutualisations entre notre personnel et le personnel de la CCB, le personnel de la CCB n'a pas les mêmes possibilités de mutuelle que les agents de la ville de Briançon. La dite mutuelle communale que j'avais proposée en 2014 et que vous aviez repris une fois à votre arrivée aux manettes, comme quoi vous voyez... Comme quoi, parfois, on peut échanger, mais en tout cas, nous avons mis en place cette mutuelle communale, elle était très bien. Enfin, vous voyez, l'histoire, c'est quand même bien quand on a des bonnes idées. Maintenant, au moins, nous, on les met en place. Voilà.
Juste quand même par rapport à ce que dit Monsieur Capioni, faut arrêter de dire. Pardon. Pardon. Je vais vous appeler Jean-Marc. Juste à chaque fois. Merci Aurélie. À chaque fois on dit mais les routes jamais il y a. Ça faisait des années que les routes étaient abandonnées. Je vais vous en lister quelques-unes pour vous rafraîchir la mémoire. Allez. Lautaret. Payé par le département. Grenoble. Payé par le département. Avec des subventions des collectivités. Mais non, je suis désolé, le Lautaret, c'était une départementale. C'est Jean-Yves Dussert qui l'a financé et qui l'a voulu le faire. Avec la ville aussi. La place. Alors, la route de Grenoble, au passage, je m'en souviens même, j'avais dit dans la presse, vous avez eu la bagatelle de 300 000 euros de subvention de la réserve ministérielle particulière de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Voilà. Bien sûr que ça a été fait. L'avenue, alors attendez, je finis. L'avenue, mon. C'est de bonne guerre. Aurélie, excuse-moi, juste de poser. Alors, je continue ma liste. Oh, il est énervé, là. Ah, mais sérieux. Il y a un moment, la politique, c'est sympa, mais il faut aussi avoir un peu d'honnêteté intellectuelle et de propos. Vous êtes ancré dans le schéma politique, vous me remontez jusque dans la région, ça vous a ouvert les vannes et c'est extrêmement profitable à Briançon. Et ça, c'est super. Mais il faut aussi reconnaître que si, par exemple, le gymnase ne s'est jamais fait, c'est parce qu'il n'y avait pas le bon port politique à Briançon. Et donc, on ne donnait pas l'argent pour faire un gymnase parce que ce n'était pas le bon port politique. Ça, c'est le jeu politique, ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est triste. Je ne suis pas d'accord sur cet exemple-là. Je ne suis pas d'accord. Parce que je suis désolé de vous dire là-dessus. C'est très bien que vous ayez l'argent, mais je veux dire, il y a un moment, il faut reconnaître à chacun. Attendez, rassurez-vous. Que je taquine un peu Madame Poyot, rassurez-vous, c'est mon sport favori, après l'escalade et l'alpinisme, mais tout de même. Mais cela étant dit, je suis désolé, je crois que le rôle d'un maire, c'est à un moment d'aller convaincre ses partenaires de l'aider. Et que je crois que les habitants, alors vous pouvez considérer que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis élu au département ou ami avec Renaud Muselier, mais enfin, c'est peut-être pas pour rien que je le suis, c'est parce que je vais défendre la ville. J'étais encore hier toute la journée à Marseille, et puis je vais taper aux portes et je fais mon boulot. Voilà, donc on peut dire que j'ai de la chance. Moi, je dis que je fais mon travail, et tant mieux. Madame Poyot, terminez de nous dire. Je rappelle juste que les opposants. Pardonnez-moi si je donne l'impression de vouloir faire le bilan, non pas du passé, mais du passif. Mais en l'occurrence, ce sont des ensembles budgétaires tournés vers l'avenir. Mais cela dit, je serais heureux de vous entendre parler de votre bilan. Vous savez que j'adore ça. Je vais répondre à Jean-Marc qui dit que rien n'avait été fait. C'est pas vrai. L'avenue du 159e, l'avenue Maurice Petch, l'avenue René Froger, la rue de Castres, la porte Dauphine, le chemin de blé, le rond-point de l'Europe. Ouais. Voilà, la liste est longue. Donc j'ai évité de faire l'énumération. Par contre, en deux ans, avenue Jean Moulin, route du Fontenil, avenue Général de Gaulle, avenue Adrien Dorel, pont du Moulin-Fort, des parkings. C'était prévu, mais vous ne l'aviez pas fait. En deux ans, nous l'avons fait. On n'a pas été réélu, plus cher. Allez, je fais avancer le débat. Juste une précision. Jean-Marc, je viens au service technique un jour et. On fait les mètres linéaires. Aurélie, bien volontiers au service technique, donnez-nous un peu plus, deux ans. Aurélie, tu as parlé de la route du Lautaret ? L'avenue du Lautaret ? D'accord, ok. Allez, je fais avancer le débat. Monsieur Schwartz avait demandé la parole. Alors, monsieur Schwartz d'abord, monsieur Léon après. Non mais là il est un peu énervé, ce sera mieux si vous commencez, monsieur Chouard. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Juste avant, ouais, je voudrais revenir quand même sur ce que vous aviez dit, parce que c'est vrai que sur la réfection des routes, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déjà dans les tuyaux quand même. Hein, donc ça a été fait, mais c'était déjà lancé. Voilà, donc il faut quand même le préciser et je vous rejoins là-dessus. Non, ce que je voulais dire, moi déjà, je voulais réitérer notre compliment qu'on avait fait déjà l'année dernière sur la rédaction du DOM. Pour des nouveaux élus comme nous, c'est très clair, c'est très bien et c'est agréable. Merci pour les services. Donc, je vous en remercie, mais pas que. Permettez-moi de vous dire, je voulais vous reparler donc de votre stratégie de la renégociation de la dette. Et permettez-moi de vous dire que vous avez tendance, monsieur le maire, à mélanger un petit peu tous les programmes initiaux de chacun dans cette campagne municipale. De notre côté, je
je vous le dis et je le répète, nous n'avons jamais dit que ce n'était pas possible de renégocier la dette, comme vous le dites. Nous avons dit que nous ne voulions pas le faire, pour certaines raisons dont je vais m'expliquer. Alors, bon, premièrement, vous avez fait votre programme sur cette renégociation de la dette, vous nous annoncez là, et comme je vous l'ai dit l'autre jour, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Vous économisez 4% par an de ce qu'on paye aujourd'hui en dette. Donc 220 000 euros par an, ça représente 4% de 5 millions. Avec ce que vous aviez dit dans votre campagne, je ne vous cache pas qu'on s'attendait un petit peu à mieux. Voilà. Bon, après, pourquoi est-ce que nous ne voulions pas le faire ? Parce qu'en 2032, ça c'est un des arguments que nous avions beaucoup avancé nous dans notre campagne, en 2032, il va y avoir autre chose qui va se passer à Briançon. Là, aujourd'hui, la dette, qu'est-ce qu'on paye ? On paye énormément le ProRail et les téléphériques du ProRail, entre autres, mais beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer en 2032 ? En tout cas, dans les années 2030, c'est que ce téléphérique sera hors service. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est la vérité. Donc, pourquoi nous, on ne voulait pas réétaler la dette ? En tout cas, parce qu'on ne veut pas continuer à payer un équipement qui sera hors service et recommencer à payer un nouvel équipement. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez et ce que vous alliez nous dire par rapport à ça. On avait pris, M. Griska, cher Romain, avait pris dans sa campagne, dans notre campagne, un exemple flagrant. N'y voyez aucune, rien de personnel, monsieur le maire, mais quand vous avez une voiture, vous payez une voiture qui est cassé et que vous avez un crédit qui court encore sur cette voiture qui est cassée parce que vous continuez à payer, que vous êtes obligé de vous racheter une voiture neuve, donc vous vous retrouvez à payer deux crédits pour la même utilité, et c'est ce qui va se passer dans les années 2030. Voilà, Merci, je vous réponds immédiatement. Alors, sur ces deux points, mais qui sont intéressants. Bon, alors, sur « on ne l'a pas dit », etc. Donc, je vais me permettre de vous le dire, parce que c'est toujours amusant. Il était écrit dans le... Alors, au moins, ce qui est bien, c'est que ça rassemble à peu près tout le monde. C'est votre tract. Oui, From Griska, c'est pas vous ? Juste avant, j'ai parlé de nos projets initiaux. Ah, j'ai pas parlé du projet du deuxième tour. Voilà. Bon, mais j'ai du mal à suivre parce que j'avais déjà eu du mal à comprendre comme un certain nombre d'électeurs, mais c'est pas grave. Mais donc, vous écriviez en l'occurrence que, avec notre programme, nous allions immédiatement monter à 57 millions d'euros de dette et terminer le mandat à plus de 45, ce qui n'est pas le cas, puisque nous n'avons absolument pas augmenté la dette et que nous terminerons à 36. Vous disiez que, en l'occurrence, le réétalement de la dette, ça coûtait 13 millions d'euros et que c'était les intérêts versés aux banques pour allonger la durée de la dette. Comme vous pouvez le lire dans le document, ça coûtera moins de 500 000 euros et non pas 13 millions. Et vous disiez aussi à l'époque que voter Murgia, c'est plus de dettes, plus d'impôts pour financer un programme irréaliste. Ben écoutez, il y a moins de dettes, il y a toujours autant d'impôts, malheureusement, on ne peut pas les baisser à ce stade, et un programme irréaliste qui est totalement réalisé. Concernant le ProRail, attention, on ne peut pas expliquer que dans 5 ans, le ProRail est hors d'état de nuire, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Non, non. ProRail, il a fait sa grande visite, il est très bien entretenu par l'exploitant, il fonctionne à ce stade très bien, et il a une durée de vie, et on pourra en échanger, si vous voulez, avec les acteurs de SCV, mais à ce stade, il n'y a pas de sujet ProRail. Il n'y a pas d'urgence, dans les 2 ans ou 3 ans, à changer les télécabines du ProRail. Et votre sujet consistant à dire « on va continuer à payer, mais on devra... » Non, il est hors de question qu'à un quelconque moment, la ville de Briançon investisse dans des équipements de remontée mécanique. Ça, c'était les années 80. À ce stade, nous avons un délégataire de service public avec, vous le savez, une DSP qui, à ce jour, ne contient pas d'investissement sur le téléporté du ProRail, mais qui, par exemple, va amener SCV, vous le savez, à refaire la totalité du pont TIA. C'est des investissements extrêmement forts. Donc ça, c'est les investissements des quelques prochaines années. Et le moment venu, nous discuterons avec SCV, mais aujourd'hui, c'est l'exploitant du remonté mécanique qui est amené à investir. Donc la ville est totalement sortie des problématiques qui étaient celles des années 80. Donc il n'y a aucune corrélation entre l'un et l'autre. Et en tout cas, il est hors de question, déjà ce serait même compliqué à faire légalement, que la ville mette un seul euro sur le domaine fiable du remonté mécanique, puisqu'il a pour cela un délégataire de service public. Mais si je peux juste répondre, monsieur le maire, vous parliez justement des investissements du Pontilla qui s'élèvent à 20 millions d'euros à peu près, je crois, entre 15 et 20 millions.
vu l'évolution du climat, etc., je doute qu'un délégataire veuille remettre le même tarif sur la montagne du Provel. Est-ce qu'on peut l'obliger à le faire à ce moment-là? Mais c'est des choix. Je veux pas avoir ce débat parce qu'il n'y a pas, juste pas de sujet. Le Provel, il fonctionne très bien. Il ne nécessite pas d'être changé demain. Il ne faut pas laisser penser ça à la population. Vous parlez de 2 à 3 ans. Là, nous, on parle de 10 à 15 ans, en fait. Attendez, chaque chose en son temps. Mais on le sait, ça s'anticipe. Enfin, je veux dire, 20 millions d'euros, ça s'anticipe. Oui, mais enfin, calmons-nous. Le délégataire, sur les 5 à 8 dernières années, il a fait des investissements extrêmement importants qui ont largement modernisé le domaine. Côte Chevalier, les Chaudas, j'en passe, etc. Il y a aujourd'hui des besoins qui sont structurels, qui sont liés au domaine de Villeneuve et à sa liaison avec Monnetier, on le sait. Et je crois que nous, sur la partie Briançon, on doit être aussi solidaires de nos collègues dans la vallée, parce que c'est le programme de développement. Laissons le haut de la station finir son programme de modernisation. On se posera les bonnes questions, mais il n'y a aucune urgence. Le Provel fonctionne très bien, et il va continuer à fonctionner très bien. Mais si vous voulez, on peut en discuter avec STV, mais il ne faut surtout pas laisser penser à la population que le Provel est plus utilisable dans 5 ans. C'est juste pas le cas. C'est techniquement pas vrai. Voilà. Encore une fois, pas 5 ans, 10 ans. Je termine juste là-dessus. Il y a déjà eu une grosse réparation il y a quelques années de ça. C'est la grande visite, c'est normal. C'est normal. Il a eu 30 ans. On ne les a pas célébrés, d'ailleurs, c'est dommage. Mais voilà, il n'y a juste pas de sujet. Il a 30 ans, c'est normal. Il y a eu des grandes visites, mais... Je vous rassure, enfin regardez, je ne veux pas rentrer dans, je ne suis pas expert des remontées mécaniques, peut-être que Christian Julien voudrait prendre la parole et il le saurait plus, mais Christian, est-ce que tu peux nous rappeler quel âge a le téléphérique de Serre-Chevalier qui est en l'occurrence toujours en Nord de Marche? Il a 80 ans. Voilà. Donc ça va bien se passer, enfin je veux dire, il faut se détendre, hein, voilà. Donc je ne sais pas si tu veux compléter mes propos, Christian. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, au niveau de la DSP, il y a d'autres éléments qui sont arrivés depuis. Avant, à Briançon, il y avait peu ou très peu, voire même pas, de logements touristiques. Il y avait, bon, à part l'Aigle Bleu, voilà, là, il va y avoir quand même pas loin de deux hôtels qui vont être construits, certainement un autre, et on en reparlera d'ailleurs ici même. Donc voilà, il y a effectivement une... Oui, mais on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un développement touristique important sur Briançon. Et bien sûr que la CDA ou l'autre délégataire, d'ailleurs, un autre délégataire, sera bien obligé de faire un porteur pour pouvoir monter l'ensemble de cette clientèle plutôt qu'elle se déplace en voiture. Et ce qui, on rejoint tout à fait ce qui peut se dire aussi au niveau du développement touristique et notamment au niveau de l'écologie. Faire monter les clients par le ProRail, ça sera bien sûr une solution. Allez, je vais aller vers la fin de ce débat d'orientation budgétaire. Monsieur Michel avait demandé la parole, et si vous en êtes d'accord, je clôturerai le débat juste après. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Je voudrais vous donner deux nombres, puisque madame Poyot tout à l'heure parlait du marché. Je voudrais vous donner deux nombres, 20 et 15. 20 ans de promesses. 15 mois pour décider et pour agir. Voilà le marché aujourd'hui. Nous offrons au Briançonnais un projet qui m'a été demandé dans l'exercice de mes fonctions pendant 20 ans. Je voudrais juste vous faire un petit historique. 3 secteurs pour le marché, le parking de la Chape, la ZAC du Rance, le centre-ville de Sainte-Catherine, au cœur des commerces sédentaires. 2018, le marché déplacé 2 fois pour la réalisation de travaux de la chaufferie bois. Déstabilisation pour la clientèle. Grosse inquiétude des exposants sur l'avenir du marché. Aujourd'hui, nous amenons une stabilisation définitive du marché. Sur un site en expansion, dans un lieu chargé d'histoire pour les Briançonnais. Nous créons un espace de convivialité abrité des intempéries, protégé. Un confort pour les exposants et leur clientèle, et nous protégeons aussi les produits alimentaires. Enfin, nous redonnons une fluidité à la circulation en centre-ville. Merci, monsieur Michel. Je vais clôturer ce débat d'orientation budgétaire. Je le rappelle, il n'y a pas de vote, en vous remerciant de ces échanges de qualité. Et je vais, dans la continuité, mais nous l'avons largement évoqué, donc je ne vais pas être long, sauf s'il y a des questions, vous présenter la DM3 qui impacte principalement
la compétence mobilité, qu'on a largement évoquée à la CCB, donc c'est les transferts de charges. Puisque en l'occurrence on reçoit plus le versement transport, on paye plus la tube, c'est la CCB qui reçoit, donc en fait ça se compense en dépenses et en recettes, et le refinancement du prêt qui va faire l'objet d'une délibération juste après, donc je me permets de pas le commenter. Voilà. Est-ce que sur la DM3 vous avez des questions particulières? Mais elle est vraiment juste consacrée à la mobilité. S'il n'y a pas de questions sur la DM3, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Ah pardon, Madame Poyot, je vous en prie. Du coup, tout à l'heure, dans le débat d'orientation budgétaire, on a oublié de parler de... Puisqu'on parle là de la mobilité, et tout à l'heure, on a oublié de parler de la Via Clarée. Oui. Sur, donc, projet... La Chape. Très beau projet, la Via Clarée, avec notamment cette passerelle dans les gorges de la France. Oui. Hein, vous avez... Et pas de financement... Alors non, pour une simple et bonne raison, c'est qu'à ce stade, et je le dis sous la responsabilité à la fois de Patrick Michel et de Jean-Marc Iaponi... Ah non, pas du tout. Le projet n'est pas du tout ni mis de côté ni abandonné. Nous sommes tout simplement embêtés par des considérations géotechniques parce que nous n'arrivons pas à ce stade à trouver la bonne solution pour maîtriser les chutes de pierre. Enfin, en l'occurrence, si, on l'a trouvé, mais elle ne nous convient pas parce que ça nous amène à passer beaucoup plus haut. Donc, pour l'instant, on est toujours sur des études techniques pour essayer de trouver comment faire cette passerelle. Voilà. C'est pour ça qu'à ce stade, ce n'est pas reporté sine die, mais c'est en attente. Voilà. Et oui, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire les travaux là dans les mois qui viennent, parce que peut-être qu'on aurait été il y a 30 ans, personne ne se serait soucié des risques de chute de pierre, mais à ce stade, un peu compliqué à faire. Voilà. Ni dans ce budget-là, mais ni dans le PPI, dans vos projets. Non, mais vous le savez, jusqu'à 2026. Non, tout à fait, mais après, vous le savez, le PPI, il est amendable, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien, mais voilà. Du coup, il faudra rajouter une somme pour cette... Tout à fait, et tenter que nous trouvions la solution technique, mais elle nous tient à cœur, vous le savez. Voilà. Donc un budget qui va, oui, évoluer. Oui, d'accord. Logiquement, comme toutes les OB, voilà. Oui, monsieur Schwartz. Oui, merci, j'en profite juste. Bon, ça fait un petit moment qu'on demandait la synthèse financière de Briançon sous les étoiles. Vous nous aviez dit, on va vous le donner, on va vous le donner. Le petit train touristique aussi, on va vous le donner. Et puis, on n'a toujours rien. Là, on a quelques chiffres quand même. 20 448 pour le petit train. C'est les recettes... Alors, je vous les donne parce qu'en plus, là, vous avez les équilibres. Excusez-moi, je l'avais préparé. Je pensais que vous me poseriez la question en commission. Vous ne l'avez pas fait. Oui. Donc, sur le train touristique, coût du service, dépenses, 59 000 euros... coût net 38 000 euros, donc des recettes totales de 20 448 euros avec les tarifs tels qu'ils sont actuellement. En nous remémorant tous, si vous en êtes d'accord, que le mois de juillet a été calamiteux en termes de météo. Donc on est passé d'une recette zéro, cher Hervé, à une recette 20 000. Donc le service n'est pas équilibré, donc il faudra qu'on ait un débat, et on l'aura dans les semaines et les mois qui viennent, non pas sur la volonté de maintenir, parce que nous souhaitons le maintenir, mais pour savoir s'il faut le maintenir à cette tarification ou pas. Oui, je vous en prie. Donc cet hiver, c'est maintenu? Non, pour l'instant, on le fait l'été. D'accord, on n'avait pas retenu la... Non, on ne l'a pas retenu à ce stade. Voilà. On l'avait envisagé, on ne l'a pas retenu à ce stade. Et sur Briançon sous les étoiles, pardon, nous avons des dépenses... alors attendez, que je ne me trompe pas... j'ai du mal à lire le tableau, pardon. On a des recettes, voilà. On a des recettes entre la billetterie et les subventions de 67 200 euros, ce qui nous amène à un coût net du festival de 97 409 euros pour le budget municipal. Donc on rentre à peu près pile poil dans l'enveloppe que nous étions dédiés de 100 000. Le coût total, bah, du coup, vous l'avez, hein, c'est l'un plus l'autre. Voilà, donc 158 000 euros et des boîtes. Voilà. Je précise juste que l'ensemble des chiffres, etc., ont été par ailleurs donnés et communiqués à l'ensemble des acteurs sociopro qu'on a réunis, en tout cas tous ceux qui ont participé, Monsieur Lejeune, etc., à l'ensemble de cela. Je précise juste que dans les dépenses du festival, sauf erreur de ma part, il y a les 40 000 euros qui sont versés déjà chaque année. Hein. C'est-à-dire que quand je vous parle de ces dépenses de hauteur de 158 000 euros, il y a les subventions de 40 000 euros qui sont versées à Tous en Scène, donc à l'association de Monsieur Lejeune, qui le sont traditionnellement depuis plusieurs années. Mais on les a intégrés pour que ce soit le plus transparent. Voilà, on aurait pu mettre cette subvention qui était classique. Donc voilà, en réalité, c'est 110 000 plus 40 000, 69 000 euros de recettes. Donc voilà,
ça vous donne le coup de Briançon sous les étoiles. J'espère que ça répond à vos questions. Très bien, je mets donc la DM3 aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions ? Elle est adoptée, je vous remercie. Et donc, le refinancement du prêt 3005, c'est le premier des quatre qu'on engage à ce conseil municipal. Les suivants seront au prochain. Et donc, ben, vous le voyez, hein, je l'ai présenté tout à l'heure, le Crédit Mutuel propose de refinancer ce prêt à une indexation à taux fixe à 1%, donc c'est des bons taux. Il n'y a pas de pénalité de remboursement anticipée sur ce refinancement alors que le contrat le prévoyait. Donc nous avons négocié ainsi. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un refinancement sur Crédit Mutuel qui va nous permettre de baisser ce que nous payons chaque année de 55 000 euros chaque année jusqu'en 2032. Voilà, je ne vais pas plus développer, on en a largement parlé. Et je vais proposer l'adoption du refinancement de ce prêt au vote du Conseil municipal. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Abstention ? Alors, attendez, si vous voulez, qui vote contre ? Tout le monde. Très bien, merci. La délibération est adoptée. Et enfin, sur les délibérations finances, la traditionnelle délibération de refacturisation des charges et de mise à disposition des locaux du CCAS. Si ça appelle des questions, j'y réponds, mais c'est une délibération que nous prenons chaque année pour la mise à disposition des locaux. C'est des jeux d'écriture entre le budget du CCAS et le budget de la ville. S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? La délibération est adoptée et je passe la parole à monsieur le premier adjoint en vous demandant de m'excuser une petite minute. Alors tout d'abord, je voudrais excuser Éric Pétieux qui a dû quitter le conseil un petit peu de façon prématurée. Donc il a donné pouvoir à Elisa Faure. Donc cette délibération concerne le marché couvert, la gratuité des droits de place pour l'inauguration du 22 décembre. Donc l'inauguration, je ne vais pas vous faire le récap de ce que vous a fait René Michel concernant le marché couvert, mais on a décidé d'essayer d'associer les commerçants et les producteurs locaux à cette inauguration pour qu'ils aient la possibilité d'exister, de faire connaître un petit peu leurs produits et puis éventuellement d'inciter ces commerçants à venir exposer tout au long de l'année, le mercredi et le dimanche, de façon un peu plus pérenne. René, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ou Non, monsieur le premier adjoint, c'est parfait. Donc on va mettre cette délibération... Oui, Francine. Oui, juste pour dire à monsieur René Michel que il a des chiffres dans la tête, peut-être 20 et 15, sauf que 20, c'est pas nous. Nous, on n'est pas restés 20 ans à la mairie. Donc voilà, il faut... Mais vous êtes dans les 20, madame. Parce que c'est des grands discours avec des grands chiffres, et on mélange tout, etc. Mais voilà. Voilà, là, Francine, il s'agit juste de l'inauguration du marché couvert. On va pas faire de... Oui, oui, d'accord, mais on va pas faire polémique. Pour la délibération, on va voter pour la délibération. Mais c'était pour remettre un petit peu les choses en place, parce que des chiffres, on peut les utiliser comme ça, n'importe comment. Et puis ça rime à rien. Et puis au bout d'un moment, ben, les gens ils savent plus de quoi on parle. Bon, là, dans le cas, dans le cas voilà. D'espèce, on parle de l'inauguration du marché couvert. Aurélie. Et, du coup, quand même, on a été interpellé par pas mal d'associations. Alors pas forcément par rapport au. Oui, ça on va voter pour. Mais j'en profite parce qu'on parle de marché et qu'on a été donc interpellé par des associations concernant le marché de Noël. Qui se tient le 17, 18 et 19 décembre, donc place Galisbey. Donc il y a des personnes, des associations qui ont contacté, il y a apparemment des difficultés pour comprendre qui fait quoi, contacté les enseignes, qu'on dit non, c'est pas les enseignes, c'est la mairie. Ils ont contacté la mairie, ils ont dit non, c'est pas la mairie, c'est le comité d'animation. Donc du coup, est-ce que vous pouvez donner un petit peu la marche à suivre concernant ce marché de Noël ? On a dit à ces associations que l'emplacement, c'était 200 euros pour 4 jours. Mais vous imaginez bien que c'est des associations avec des bénévoles qui ne peuvent pas s'engager forcément sur les 4 jours. Donc, est-ce qu'il y a moyen ou pas de participer que sur une ou deux journées ? Et l'autre chose, voilà, c'était déjà ce qu'on m'a demandé. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous pouvez donner... Alors, donc, déjà, je vais vous donner les dates du marché de Noël qui se tient donc place Galisbey. C'est du 17 au 20 décembre, pour être plus précis. Donc, l'organisation de ce marché couvert, de ce marché de Noël, a été confiée au comité d'animation.
la personne qui est en charge de, donc de, d'aiguiller les associations, de recevoir leurs demandes, etc., c'est Franck Valéry. Donc je vous donnerai les coordonnées de Franck Valéry à la suite de, du conseil municipal pour qu'il puisse être contacté. Il sera tout à fait disponible pour mettre en place éventuellement vos requêtes, quoi. Donc on va mettre cette délibération aux voix. J'espère qu'elle sera acceptée un petit peu par tout le monde. Donc qui est contre, s'abstient. Qui est pour, je vous remercie. Donc la délibération est adoptée. Donc on va passer donc à une délibération qui concerne la vie associative. C'est Elisa qui va nous la présenter. Celle concerne la mise à disposition temporaire d'espaces de stockage, une convention Ville de Briançon et UGCAM PACA et Corse. Je remercie donc le représentant ce soir de l'UGCAM pour avoir permis à ces associations de pouvoir disposer d'un local de stockage. Elisa, c'est à toi. Bonsoir, merci. Donc, face aux difficultés exprimées par les associations de notre territoire à pouvoir disposer de locaux de stockage pour leur matériel, face à la vétusté des locaux mis à disposition jusqu'alors, la ville de Briançon a fait la demande, suite à la fermeture du site de Ronazur géré par l'UGCAM PACA Corse, de disposer de plusieurs espaces de stockage qui sont actuellement vacants. Et ce, pour pouvoir les mettre à disposition des associations. Donc on a ciblé trois associations, les éclaireurs et éclaireuses de France, la Croix-Rouge et l'Amicale du 159e RIA. Donc il faut juste noter que cette mise à disposition se fait donc à titre gracieux et qu'elle prendra fin au moment de la vente du site. Donc il vous est demandé de pouvoir approuver les termes de cette convention afin de permettre aux associations d'avoir un lieu de stockage de matériel ou de stationnement de véhicules légers. Merci Madame le maire adjoint et merci vraiment au directeur de l'UGCAM, à ses équipes, parce que c'était très attendu. Ça appelle à des projets en commun sur à la fois la friche dans sa grande acception, mais aussi sur d'autres locaux qui nous amèneront à étudier quelques projets de reconversion, je le crois. En tout cas, c'était très attendu, il y a un vrai besoin pour les associations et j'en suis pour ma part ravi. Donc vraiment un grand merci à vous, madame, pour votre travail et à l'ensemble des équipes de l'UGCAM. Est-ce que ça appelle à des questions ou des remarques? Sinon, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La délibération suivante a fait l'objet de modifications. Elle concerne la grille tarifaire du stationnement. Et je vais laisser la parole à Jean-Marc Iaponi. Merci, monsieur le maire. Cette délibération fait suite à la tenue du conseil d'exploitation du 25-11. Conseil d'exploitation où a été évoqué l'évolution des prix sur la cité Vauban. Donc il est proposé de fixer à 50 euros le droit de stationnement en cité Vauban pour le premier véhicule, de supprimer, et c'est là la grande évolution, de supprimer le tarif préférentiel cité Vauban et Champ de Mars pour le deuxième ou troisième véhicule, d'approuver la création d'un tarif dénommé carte pro sur un domicile pour un montant de 180 euros par an à destination des professionnels de santé que sont les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmiers, les kinésithérapeutes et les aides-soignants pouvant justifier de plus de 200 visites à domicile par an. De charger le conseil d'exploitation de la RMBS d'approfondir sa réflexion sur les modalités d'attribution d'un tarif préférentiel de 15 euros par mois à destination des auxiliaires de vie et des résidents de la cité Vauban disposant d'un second véhicule. Réflexion qui devant s'inscrire en lien avec les modalités d'attribution de la carte solidarité attribuée par la CCAS. Et lors de ce conseil d'exploitation, nous aurons le temps d'évoquer les différentes modalités et d'autres critères qui peuvent être assujettis à cette délibération. D'adopter la grille tarifaire modifiée 6 juin en annexe. Merci. Est-ce que ça appelle à des remarques? Je voudrais juste remercier. Il y a eu des débats un peu vifs sur ce dossier, mais en tout cas, je voudrais saluer parce que pour le coup, ça a été un long travail. Alors, je ne sais pas, ce ne sera probablement pas parfait parce que ce genre de sujet, c'est jamais parfait. Mais en tout cas, on a tâché vraiment d'adapter et d'être constructif sur les débats. Alors, honneur aux dames, Madame Dardenne et puis Monsieur Schwartz, et on vous répond ensuite.
Oui, je voudrais insister pour cette délibération sur le travail fait en commission avec M. Chiapponi et les autres membres de cette commission, parce que c'était un travail effectivement intéressant, constructif, effectivement. Au final, malheureusement, cette délibération ne reflète pas le travail qui a été réalisé en commission, et ça, on le regrette fortement. Je voudrais juste vous demander, même si nous allons nous abstenir sur cette délibération, parce que nous en avons aussi beaucoup discuté avec les membres de notre groupe Briançon Citoyenne, et nous sommes très partagés par rapport à cette délibération. J'ai prévenu M. Chiapponi, parce que c'est vrai que le travail qu'on avait fait ensemble jusqu'à tout à l'heure, hein, puisqu'on s'est encore retrouvé juste avant le Conseil pour rediscuter. Nous l'avons vu. Nous vous avons vu tous les deux dans une salle. Délibération. Est-ce la naissance d'une idylle ? Je voudrais juste, comme vous pouvez prendre en compte dans les considérants et dans le reste aussi de la délibération, qu'il ne s'agit pas que des auxiliaires de vie. Le terme auxiliaire de vie, aide ménagère et assistante de vie correspondent à des définitions. Alors vous êtes où là sur la délibération, pardon ? Comment ? Vous êtes à quel endroit sur la délibération, s'il vous plaît ? C'est dans les tarifs préférentiels. Déjà dans les considérants et ensuite dans le corps du texte, dans les enjeux, etc. Il est question, à chaque fois qu'il est question de qu'est-ce que vous avez marqué, auxiliaire de vie, il serait préférable de rajouter aide ménagère et assistante de vie, parce que ce sont des professionnels qui ne travaillent pas du tout sur les mêmes, voilà, sur les mêmes problématiques et les mêmes missions, et donc il ne faut pas les exclure. Voilà. Je sais les intentions de M. Chiapponi et d'autres élus hein, autour de cette table par rapport à ce travail. Donc je voudrais simplement vous demander cette modification. C'est noté, mais Mme Faure voulait prendre la parole. Non, c'est juste du coup pour... est-ce qu'on peut utiliser du coup le terme « service à la personne » qui regroupera l'ensemble des concessions que vous, si vous voulez. Tout à fait. C'est pour être plus tout à fait. Si ça fait consensus, je propose de la modifier sur table. Est-ce que ça fait... C'était pas limitatif. Auxiliaire de vie, virgule, service à la personne. Très bien. Je voudrais aussi rajouter et profiter de cette délib, parce qu'en commission, nous avons évoqué, notamment pour la vieille ville, la possibilité de mettre en place ou construire des abris vélos sécurisés, notamment pour les personnes dans la vieille ville qui souhaitent acquérir un vélo électrique. Et des fois, ils n'ont pas la possibilité, vu les couloirs, caves ou manque de garage, difficile de stationner un vélo électrique dans la vieille ville. Je sais que... Je vous confirme. M. Chiapponi m'a dit que vous alliez y travailler, donc je voulais avoir aussi confirmation. Je vous le confirme, il y aura un parking à vélo sur la place Général Blanchard en 2022. Merci beaucoup. Merci, la parole est à M. Schwartz. Oui, merci. Oui, je voulais simplement dire aussi que bon, il y a eu beaucoup de débats par rapport à cette délibération. C'est venu, c'est reparti, c'est revenu. Bon, alors déjà merci parce que c'était des débats qui étaient agréables. On a pu communiquer. Je crois que les groupes d'opposition peuvent être satisfaits parce qu'on sait qu'on a quand même été entendus. Et ça fait plaisir, vraiment. Je veux dire, on a apporté des arguments qui, je pense, ont fait mouche et on est tombé d'accord avec certaines personnes de la majorité. Donc c'est quand on arrive à ça, c'est bien. Voilà, c'est comme ça. Alors très honnêtement, là j'ai pas tout suivi parce que c'est parti, c'est revenu, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on avait convenu en commission au final. Donc pour ma part, j'ai voté pour. Le deuxième G est plus adapté. Ben non, j'étais pas à la commission, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on avait vu. Allons-y, je vote pour. Bon, eh bien écoutez, vous m'envoyez ravi et merci surtout aux adjoints et adjointes d'avoir porté ce travail qui n'est pas simple, il n'y avait pas de cadre, il faut en mettre un. Il y en a un, voilà. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il du coup des oppositions ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il y en a trois. La délibération est adoptée. Et je passe immédiatement la parole à monsieur le maire adjoint chargé de l'urbanisme. Merci monsieur le maire. Merci.
Par acte notarié en date du 21 novembre 1991, la ville de Briançon est devenue propriétaire par erreur de la parcelle B1321 au lieu dit Les Clos, alors même qu'elle souhaitait acquérir la parcelle B1322. En effet, une erreur contenue dans le document d'arpentage de l'époque attribuait la parcelle B1321 à la ville et la parcelle B1322 au consort Paillès, alors que l'inverse était souhaité. Il s'avère que l'issue la plus logique soit la publication d'un acte par lequel la ville cède la parcelle 1321 au propriétaire de la parcelle voisine B679 et acquiert la parcelle B1322 au consort Paillès. Ainsi, la situation juridique de ces parcelles se trouverait régularisée. Merci beaucoup, je mets cette délibération aux voix. Non, Madame Dardenne. Non, non, c'est pour profiter qu'on parle de l'URBA. Simplement pour avoir des nouvelles du terrain de la DZ. Et vous en avez à chaque fois. Simplement savoir où ça en est. Mais Francine, vous le savez. Francine, prenez rendez-vous. Puisque je vois que vous me harcelez à chaque conseil municipal. C'est pour le public et les citoyens briançonnais. Vous allez en savoir. Qui semblait être. Voilà, qui vous allez en savoir beaucoup plus. Et on n'a rien. Vous allez en savoir beaucoup plus d'ici quelques jours. Voilà, sujet acté. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie, monsieur le premier adjoint, pour le rapport de l'AREA. Eh bien oui. La ville de Briançon détient 30 actions pour une valeur de 4 590 euros. Il convient à ce titre de délibérer pour approuver le rapport social qui a déjà été approuvé par le conseil d'administration de l'AREA. Aussi, et de manière factuelle, ce rapport social indique que l'AREA a contractualisé 250 opérations en 2020, 248 pour le compte de la région pour un montant de 43 millions d'euros et deux opérations pour le compte de ses autres actionnaires pour un montant de près de 5 millions d'euros. En matière de commandes publiques, sont à noter 114 publicités pour le compte de la région et 26 publicités pour d'autres maîtrises d'ouvrage. Enfin, 541 marchés ont été notifiés en 2020, 433 marchés de travaux, 101 marchés de services et 7 marchés de fourniture. Il vous est donc demandé d'approuver le rapport qui vous a été fourni. Merci, c'est le rapport traditionnel des actionnaires, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre mayonnaise à nous. Madame Poyot, vous voulez la parole? Oui, merci. Effectivement, hein, monsieur le premier adjoint a rappelé les reins solides hein, de cette société. Juste parce que du coup, à la lecture, ça m'a fait sourire. Ah. Dans le sommaire, on parle toujours de la ZAC Cœur de Ville, en page 2. C'est normal, c'est le rapport 2020. Oui, mais du coup, en page 35, on parle du quartier du 15-9 et puis on revient sur la ZAC Cœur de Ville. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Nos cœurs sont mêlés, madame Poyot. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Il est adopté. Je vais présenter rapidement l'avenant numéro 3 au traité concessif qui fait suite à l'avenant numéro 2 qui avait longuement fait débat et qui, ni plus ni moins, en tire les conséquences financières. D'une part, en termes de baisse des montants de travaux liés principalement, vous le voyez en page 4, à la baisse d'un certain nombre d'études et de travaux de VRD et au décalage du montant de participation de 2 millions qui intègre les 1,4 million de dépassement et aussi le coût de notre négociation, mais qui, vous le voyez, est compensé puisque vous avez aussi un poste recette qui évolue puisqu'on vend et je crois pouvoir dire qu'on vend plutôt bien et assez rapidement d'ailleurs. En 2026, pourquoi? Pour une raison simple, déjà assouplir notre capacité de financement sur ce début de mandat au moment où on porte par ailleurs des investissements très lourds. Et puis en plus, en parallèle, tout simplement parce que vous le savez, des travaux, ça peut se décaler. Donc il vaut mieux, si jamais nous devions aller par exemple jusqu'à 2027 parce que les travaux n'étaient pas finis, avoir cette souplesse-là. Que de pouvoir diviser sur deux exercices le montant final des investissements. On verra en milieu de mandature où on est l'exécution des travaux, si ça a appelé à des dépassements ou pas, et les conséquences qu'on doit en tirer. En tout cas, à ce stade, c'est la finalisation de la renégociation de la ZAC. Donc la ZAC, elle est désormais redéfinie, vous le savez, et elle est désormais refinancée avec pas de surprise énorme sur le budget de cette dernière. Et donc,
aucun impact. Je ne vais pas revenir sur le tract de tout à l'heure qui prévoyait que ça allait avoir un coût irrémédiable pour la ville. Ben, vous voyez, la ZAC, elle est complètement redéfinie, elle est complètement refinancée, et ça se passe très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur l'avenant numéro 3 ? Madame Poyot. Oui, merci. Voilà, là aussi, hein, c'est des choix que vous souhaitez faire, effectivement, en assouplissant le budget, mais en faisant porter quand même une très, très lourde charge financière sur la dernière année du mandat électif. Donc, voilà, c'est un choix que je ne partage pas. Enfin, que nous ne partageons pas. Donc, effectivement, vous dites pas de surprise par rapport au budget. Bon, quand même, surprise. Mais des surprises, quand même, dans cet avenant, quant aux évolutions programmatiques, puisqu'on apprend le LOA 1, le stationnement souterrain est supprimé. Voilà, il est supprimé. Je vous rappelle qu'il n'y était déjà pas quand vous étiez là. Hein. Oui, voilà. Enfin, sauf qu'il y avait quand même eu un certain nombre d'études... et un certain nombre de tractations avec les acquéreurs du LOA 4. Et vous allez voir qu'on a trouvé une autre solution. Ben alors, c'est ce qu'on lit, justement. Et là aussi, donc effectivement, vous avez trouvé une autre solution pour faire porter du stationnement sur le lot d'à côté, pour justement favoriser du stationnement pour l'hôtel. Mais là aussi, on aurait bien aimé avoir quelques esquisses, parce que quand on lit qu'effectivement, il va y avoir une partie de parc de stationnement pour les besoins du LOA 4, quel type de stationnement ? En aérien ? Alors, souterrain ? Vous aurez... Quelle lisibilité vous aurez pour les paysages ? Vous aurez les esquisses, pas plus tard que dans 6 jours, dès lors que nous aurons signé la promesse, ce qui devrait être fait le 17 décembre. Et vous verrez que c'est plutôt très bien intégré et que ça nous offre un deal qui, à la fois, est très bien intégré paysagèrement et qui nous sort de problématiques financières qui étaient... vraiment impossible. Vous n'aviez pas prévu le parking souterrain initialement, donc on avait un problème déjà de légalité vis-à-vis du traité de concession, parce que ça aurait été une modification substantielle. Et tout à fait nous avons poussé jusqu'au bout l'hypothèse du parking souterrain, qui était un parking de nature plus privée, c'est-à-dire qui aurait été partagé entre à la fois les hôtels et la cité administrative, pour faire la plus grande transparence. Mais malgré cela, nous avions à la fois un centre d'obstacles techniques et un coût de financier qui ne nous permettait pas de trouver une solution. Et quand on a trouvé cette solution-là, vous le verrez, vous jugerez sur pièce, mais on vous la présentera dans quelques jours à peine. On a trouvé que c'était la meilleure et en plus la moins impactante. Donc le rapport qualité-prix de la solution qu'on propose grâce au LOA 2, qui donnera en gros du parking en rez-de-chaussée, si j'ose dire, sous l'immeuble, et qui sera le parking en R0, qui sera à la fois... un espace. Mais on vous présentera le détail, vous le verrez. Mais ça règle la problématique du stationnement de l'hôtel 4 étoiles. Voilà. Mais pourquoi pas, hein, j'attends de voir les esquisses. Après, donc, vous répondez quand même à ma question. C'est du stationnement donc, en aérien. Et il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un écoquartier. Donc là aussi, je m'interroge un petit peu sur les objectifs du développement durable et sur les objectifs lorsqu'on fait un écoquartier. Il y aura aussi du souterrain, mais ce sera pour la copro. Ouais, on n'a pas les éléments, donc c'est un peu pénible parce que vous annoncez des choses, on ne sait pas, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'esquisses. Non, c'est pas moi, ça. Moi, je m'interroge sur les objectifs. C'est un écoquartier. Il y a forcément des ratios à respecter. Ah ben si, c'est un écoquartier. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, mais le label BDM, vous n'entendez pas parler. La démarche AEU, vous n'en avez pas parlé. Là, on est sur un écoquartier et on n'a pas les éléments et ça ne vous dérange pas de mettre. Alors, non, ça ne me dérange pas. Il y a des ratios de stationnement. Dans un écoquartier, il y a des ratios de stationnement. Il y a toute une réflexion sur la mobilité. Je sais que ce sujet vous tient à cœur, mais moi aussi, cher Aurélie. Deux choses. D'une part, le label BDM, on en parle, puisqu'en l'occurrence, vous savez que dès le cahier des charges de la cité administrative, on était sur un BDM bronze minimum. Donc on en reparlera. Et pardonnez-moi, on va attendre que la promesse soit signée, mais il convenait de projeter la stratégie financière. On va naturellement, dans la foulée, vous présenter la totalité à la fois des plans d'architecture, du plan de masse, et on va vous présenter la totalité de la renégociation de la ZAC. On attend juste la signature de la promesse. On l'a fait en toute transparence sur l'hôtel, on l'a fait pour la cité administrative. Et je rappelle qu'à chaque fois, lors de chaque jury, les groupes minoritaires ont été représentés, que ce soit à la ville ou à la CCB, puisque M. Fine siégeait dans la désignation du projet de cité administrative. Donc à nouveau, on sera transparent là-dessus. Voilà. Mais j'entends bien vos remarques pour voter en toute transparence, mais là, ce qui vous est proposé, c'est ni plus ni moins que la hauteur des engagements financiers. Et vous noterez bien qu'il n'y a pas d'inquiétude vis-à-vis du budget de la ville. Et que c'est déjà arrivé en 2016 que d'engager 2 millions d'euros,
pas non plus quelque chose d'impossible pour la ville. Je vais mettre cet avenant numéro 3 aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il... Alors, opposition et des abstentions ? Je vous remercie. L'avenant numéro 3 est adopté. La parole est à Patrick Michel pour les tarifs de secours sur piste. Merci, monsieur le maire. Tout simplement, donc, il vous est demandé ce soir de valider les tarifs des secours sur piste. Voilà, vous les avez annexés. Hein, ce sont des, ben, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est le délégataire donc, avec les différents prestataires qui assurent ces secours. Avec, on peut le noter, des tarifs un petit peu plus bas en ce qui concerne les déplacements. Donc. Voilà, donc on vous demande de valider ces tarifs de secours sur piste. Y a-t-il des questions ? Merci. S'il n'y a pas de questions, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. La parole est à Johan Lazier. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. La délibération suivante, c'est pour la mise en place du partenariat entre les Diables Rouges et la ville de Briançon. Donc, comme chaque année, cette subvention va être répartie en deux fois, on va dire. Donc elle est de 300 000 euros. Il y aura un premier acompte versé de 100 000 euros à la signature du partenariat et de 200 000 euros en date du 15 février sur la deuxième partie. Donc il vous est demandé d'approuver cette délibération. Je vous remercie. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques ? Madame Dardenne. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous votons au nom d'une équipe Briançon Citoyenne. Et donc sur cette délibération, comme sur la prochaine d'ailleurs, nous nous abstiendrons. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il donc des oppositions ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? La délibération est adoptée avec 3 abstentions. Je vous remercie. La parole est à Christian Julien qui va présenter les 2 délibérations dont je voudrais vraiment dire que je suis heureux sur à la fois le Tour de France et l'étape du Tour. Christian, tu as la parole. Merci Monsieur le Maire, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette délibération vise à spécifier les modalités d'organisation du Tour de France 2022 à Briançon, sur le territoire, notamment la coordination générale portée par l'Office du tourisme de Briançon, Serre-Chevalier-Briançon, pardon. Pour rappel, notre ville sera ville départ pour le 14 juillet 2022, jour de fête nationale, avec une arrivée des coureurs du Tour le 13 juillet dans le mythique col du Granon, sur la commune de Saint-Chaffré. Financièrement, le coût de l'organisation des événements du Tour de France, et on le verra tout à l'heure aussi pour l'étape du Tour, seront financés par l'Office du tourisme de Serre-Chevalier et le Conseil départemental des Hautes-Alpes. Comme en 2017, les communes seront amenées à apporter leurs contributions financières, dont les montants exacts seront définis très prochainement. A noter que la contribution financière de la ville de Briançon sera inférieure à celle de 2017, en raison du programme aux besoins logistiques plus faibles. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions ? Oui, Monsieur Schwartz. Non, voilà, je voulais simplement, c'est pas une question, je voulais simplement souligner que c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est des coûts qui sont assez élevés, mais je veux souligner la répercussion que ça a sur le tourisme, sur les socioprofessionnels du tourisme, sur tout le Briançonnais. Et voilà, donc faut pas que regarder. C'est vrai que ça paraît cher comme ça, mais c'est hallucinant ce que ça rapporte. C'est ce des millions rapporte, de millions personnes dans le monde. Nous le savons bien, et je pense que en termes d'impact, notamment pour les loueurs de meublés, pour les hôteliers, les sociopros, ce sera un immense mois de juillet. Puis je crois que pour le rayonnement et toutes les millions de personnes qui auront envie de venir à Briançon, au col du Granon, au Galibier, qui sera passé deux fois le Galibier dans un sens et dans l'autre en 2 jours, ce sera incroyable pour notre territoire qui le mérite. Merci de l'avoir voté. Je voudrais simplement juste poser une petite question. J'ai vu qu'il y avait des subventions, vous avez dit, du département. Il n'y a pas de subvention de la région là-dessus possible ? C'est en cours de discussion. Il y aura une aide de la région. Je ne vous dirai pas le montant avant qu'ils la votent pour leur laisser la primauté. Mais en plus de ça, comme c'est la seule étape dans la région sud, voilà, nous avons un engagement là-dessus. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Des abstentions, je vous remercie, elle est adoptée. Je repasse la parole. Non, je vais mettre les 2 aux voix, du coup, peut-être ? Oui, puisque, effectivement, pour l'étape du Tour, c'est exactement la même chose. Hein. C'est bien sûr la participation
des coureurs cyclotouristes qui vont partir donc de Briançon et qui rejoindront l'Alpe d'Huez un petit peu avant cette étape. Et donc là, si on attend 16 000 cyclistes. Et bien sûr vendus. Voilà, et toutes les places sont bien sûr vendues. Ça a d'ailleurs été vendu en 2h30, juste pour rappel. Et pour en revenir un petit peu à ce que vous disiez, Monsieur Schwartz, c'était pour dire aussi qu'effectivement, le Tour de France, c'est quand même la troisième épreuve sportive la plus regardée dans le monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Sauf que la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, alors que le Tour de France, c'est tous les ans. Voilà. Merveilleux. Et si ça coûte un peu moins cher que 2017, c'est parce que 2017, c'était départ Briançon, arrivée Briançon pour des questions de nourriture, de camp de base, etc. Et là, ce sera à l'Alpe d'Huez. Voilà. Je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? À l'étape du tour, vous ne vous abstenez pas. Formidable. Merveilleux. Eh bien, du coup, elle est adoptée à l'unanimité. Merci pour les cyclistes amateurs. Et la parole est à Madame le maire adjoint chargé de la culture pour 4 délibérations relatives à la culture. Alors, pour la première délibération, il s'agit d'une convention entre la ville de Briançon et le département des Hautes-Alpes pour un accès au service numérique de la bibliothèque départementale afin de rendre accessible à tous les ressources tant écrites qu'audiovisuelles et numériques dans les différents champs de savoir et de culture. Alors, elle propose à l'intention des bibliothèques un certain nombre de services numériques, déjà depuis 2012, puisqu'il y avait les valises numériques en 2012, les tablettes, les liseuses, etc. En 2019, mise en place de médiation et d'ateliers numériques, et à partir de 2021, un bouquet de services numériques avec presse vidéo, jeunesse, auto-formation, avec une relation avec le patrimoine et qui est accessible à distance pour tous les abonnés des bibliothèques. Ça permet de répondre aux besoins de services et d'inclusion numérique, sachant que, bon, vous l'avez compris, c'est très utile. Et par contre, en termes de finances, il n'y a pas d'incidence financière pour la ville, puisque c'est le département qui prend en charge, avec une convention qui se terminera le 29 avril 2024. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas vraiment eu en commission, donc voilà. Comme c'est très utile, on va la mettre aux voix. Qui est contre ? S'abstient, donc la délibération est adoptée. Catherine, on continue avec la délibération numéro 18, médiathèque, partenariat ville de Briançon, lycée d'altitude et atelier d'éducation, médias et de l'information. Alors ça, c'est un renouvellement de convention, hein, de partenariat, donc avec les différents ateliers d'éducation aux médias et à l'information, entre la médiathèque et l'éducation nationale, avec des propositions d'ateliers au sein du lycée, avec l'aide d'enseignants volontaires et de la documentaliste Claudie Labrosse, qui est hyper impliquée et qui fait vraiment un très bon travail, parce qu'elle fédère les jeunes lycéens, et elle est responsable du projet pédagogique. La finalité des ateliers est notamment un journal lycéen que j'ai là, alors je devais aller en chercher, mais j'ai un peu oublié. Donc vous pouvez vous le procurer à la médiathèque, et je peux vous dire, ça décoiffe, c'est pétillant, et en plus il y a un travail très sérieux de fait aussi. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet de comprendre un peu où en sont nos jeunes et nos ados, et c'est très bien pour nous tous, je crois, autour de la table. Voilà. Donc l'incidence financière, c'est gratuit, puisque c'est dans les missions de médiation exercées par les bibliothécaires de la médiathèque. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet aussi. Francine ? Non. Aurélie ? On a échangé en commission, et on vous remercie, Madame Valdener, pour ce travail qui est fait avec la médiathèque, avec le lycée et pour la jeunesse. Voilà, c'est des projets qu'on trouve forcément intelligents, forcément brillants, et on attendait tous le dernier babilleur, puisqu'on avait tous lu les babilleurs précédents. Donc on ira le chercher à la médiathèque, mais en tout cas, félicitations à toutes les équipes de la médiathèque, à vous et au lycée pour ce travail. Merci beaucoup. Je mets la délibération 18 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Madame Valdener, vous avez la parole. Alors, la délibération suivante concerne les archives. Les archives qui sont abritées depuis 2019 au sein de la nouvelle médiathèque de la Ruche.
puisque la médiathèque est chargée de la collecte, de la conservation, du classement et de la communication, ainsi que de la valorisation des archives publiques produites aussi bien par les services municipaux que des archives privées qui intéressent l'histoire de Briançon. Alors c'est une nouvelle convention qui a été élaborée entre les deux parties dans le but de valoriser le patrimoine archivistique des deux identités. Il y a eu déjà, c'est en fait l'objet de la convention, c'est organiser une exposition. Il y en a déjà eu une l'année dernière qui était du 6 juillet au 25 septembre et donc il s'agit de programmer la nouvelle exposition, elle, du 5 juillet au 3 septembre 2022. Alors, l'incidence financière, vous avez tout le détail dans la délibération. Il y a le département qui prend en charge la conception intellectuelle, etc., etc. Et puis, la ville qui prend une autre partie à sa charge, aussi une partie de la conception, mais la mise à disposition du système d'accrochage, enfin, tous les éléments concrets relatifs à la médiathèque. Et donc l'incidence financière, elle est absolument raisonnable par rapport à l'intérêt de l'exposition, puisqu'elle est à la hauteur de 245 €. Merci beaucoup. Si la balle de question, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Madame Valdener, à nouveau. Dernière délibération concernant la culture, qui, elle, concerne le centre d'interprétation d'art contemporain. Une exposition « Gardien des cimes » qui avait été programmée l'année dernière, qui, pour les raisons que vous savez, n'a pas pu être mise en œuvre. Elle a été accrochée, mais pas visitée. Et donc, nous vous proposons une ouverture prévue pour cette exposition du 2 janvier au 6 mars 2022, donc, qui présente les œuvres d'un photographe qui s'appelle Michel Eisenhorn, qui met en lumière le patrimoine fortifié du 19e et du 20e siècle situé sur le territoire briançonnais et tout au long de la frontière, et puis de Christophe Galéron, qui est un artiste virtuel ou alpin, qui s'interroge sur la place de l'être humain face à la puissance et au mystère des grands espaces de montagne. Et tout ça, rassurez-vous, sur des choses très concrètes et fort intéressantes qu'il faut absolument aller voir dès le 2 janvier. Merci. Alors, il y a deux. Je vais un peu plus loin parce que le contenu est en fait sur. On avait contracté déjà les droits de représentation des photographies, mais par contre, pas de l'œuvre de M. Galéron. Donc, il s'agit dans cette délibération de voter pour qu'on puisse honorer les droits d'auteur et les défraiements, donc pour une somme de 952 €. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de remarques, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Émilie Desmoulins. Merci, monsieur le maire. Moi, ça va être un sujet un peu plus léger. Au fin de sécuriser les abords des routes et des chemins de notre forêt communale et d'augmenter la délivrance de bois par l'eau, l'Office national des forêts a demandé à la ville d'ajouter deux parcelles prévues, donc les parcelles numéro 13 qui est chemin des fontaines et la 14 et 19 qui sont route du Poitou-Lanier. Je vous ai donc demandé d'approuver cet ajout de parcelles qui auront comme incidence financière forcément l'augmentation proportionnelle des recettes de la coupe. Merci. Merci beaucoup, en excusant au passage notre collègue et ami Christian Ferru. Si ça n'appelle pas de questions, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. Je vais présenter à la place de Michel Skripnikov, que j'excuse, deux délibérations sur les écoles et le forfait communal en l'occurrence. Le premier, c'est la reconduction d'une convention qui était échue avec Servières. Vous savez que les petits serverins viennent chez nous à l'école, et donc c'est la convention de refacturation avec quelques excuses, parce qu'il y a eu une mauvaise facturation pendant un mois, on ne s'en était pas rendu compte, et donc il y a quelques serverins qui n'ont pas reçu le même tarif habituel, on s'en excuse auprès des familles concernées, et donc vous voyez la reconduction de ce qui a toujours existé entre Briançon et Servières, et c'est normal en termes de solidarité pour les petits serverins. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'était ce qui était, en l'occurrence, en vigueur. Je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée.
Même chose avec Carlian Repair, c'est ni plus ni moins qu'une petite mise à jour de ce qui existait, puisqu'en l'occurrence, l'école de Carlian a fait sur ses frais des travaux, notamment d'isolation, et nous demandait une revoyure du forfait communal, puisque par la force des choses, quand on isole, on dépense moins. En énergie, je dis ça en regardant Maryse qui travaille beaucoup sur ces sujets en ce moment, mais on aura l'occasion d'en parler dans les toutes prochaines semaines. Donc voilà, je peux s'appeler des questions, mais c'est ni plus ni moins qu'une revoyure pour l'école Carlian Repair, Madame Poyot. Alors, ça appelle quelques questions parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas bien compris en commission. Alors, pour nous, on avait compris que c'était l'avenant numéro 2 de ce que nous avions déjà voté au mois de juin. Et que... C'est ça. D'accord. Sauf que dans la délibération, on ne voit pas les travaux d'isolation dont vous parlez. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. Quand vous parlez de travaux d'isolation, il y a un truc qui m'échappe. Si, c'est la ligne fuel. La ligne fuel. Mais elle est vide, la ligne fuel. Donc, je comprends pas. C'est parce que si elle est vide, c'est parce qu'on ne leur facture plus en nature. L'effort qu'on fait vis-à-vis d'eux, tout simplement. C'est comme ça qu'on a matérialisé le geste qu'on fait envers eux, puisqu'on a estimé qu'étant donné qu'ils ont fait des travaux, on n'a pas vocation à leur facturer autant qu'avant. Voilà, donc c'est un geste en faveur de Carlian. D'accord, parce que ce qu'on avait compris, au mois de juin, nous avions déjà voté une première subvention. Et là, normalement, c'était la deuxième. Et ce qu'on avait compris, c'est que par rapport au Covid, un certain nombre de prestations n'avaient pas pu être faites au niveau de Carlian. Et donc, cela modifiait le forfait que l'on doit leur rétribuer. Donc là, si vous nous parlez maintenant encore du fuel, ça change. Et du coup, notre question, c'est le forfait global qu'on a là, finalement, il est... La délibération à l'époque, c'était de janvier à juin, et là, on revalorise de janvier à décembre, voilà, tout simplement. Mais la dernière fois, on n'avait pas enlevé le fuel. Si, si. D'accord. Bon, et ben, nous, la dernière fois, au mois de juin, on vous avait expliqué que... on n'était pas d'accord avec le fait que pendant la crise du Covid, un certain nombre d'animations n'avaient pas été faites, mais de la même manière, elles n'ont pas été faites dans les écoles publiques de la ville. Et à partir du moment où un certain nombre apparaît, enfin, on est vraiment pour cette égalité, et si des animations ne sont pas faites dans les écoles publiques, elles ne sont pas faites dans les écoles privées, et on ne comprend donc toujours pas pourquoi il faut réajuster ce forfait global. Puisque pour nous, il y a une perte d'équité entre les statuts des écoles. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Il y a une question aussi qu'on se posait. Le calcul qui a été fait pour déterminer le forfait par élève, que ce soit de Servières ou du coup après pour Carlian, est-ce qu'il a été fait sur les estimations de ce que... des élèves où la scolarité coûtait avant le Covid. Servir, c'est un coût global. Et là, on distingue le matériel, etc., etc. Donc, c'est un coût global sur quelle période ? Mais vous voulez pas, enfin, parce que moi, je veux bien prendre dans le détail, mais honnêtement, si vous voulez, on vous répond par écrit. D'accord. Ou voilà, c'est peut-être mieux. Okay. Je pense pas que c'est. Je vais être désagréable, je veux bien, mais non, par exemple, les chiffres de la délinquance et de la sécurité, ça va juste faire 6 semaines qu'on vous les demande. Allez. Alors, si là, on doit encore attendre 6 semaines pour avoir les chiffres sur les écoles, c'est compliqué. Non, mais c'est bon. Allez, on vous laisse être désagréable, mais vous l'avez si peu été ce soir que vraiment, c'est avec plaisir. Allez, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il du coup des oppositions ou des abstentions ? Peut-être voulez-vous vous abstenir ? Vous vous abstenez ? Non, on vote contre. Vous votez contre. Très bien. Merci. 3 votes contre et la délibération est adoptée. Et le clou du spectacle revient à Monsieur le Premier Adjoint pour la dérogation à la règle du repos dominical. Ouais, je suis surpris. Je croyais que c'était Francine qui la présentait. Mais non. Donc cette délibération concerne la dérogation à la règle du repos dominical, puisque ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil. Donc les dimanches concernés à cette dérogation à la règle du repos dominical sont le 13, le 20 et le 27 février 2022, le 17 avril 2022, le 1er mai 2022, le 10, le 17, le 24 et le 31 juillet 2022,
le 7 et le 14 août 2022 et le 18 décembre 2022. À noter que la CCB, la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, l'Union pour l'entreprise des Hautes-Alpes, l'Union départementale CGT des Hautes-Alpes, l'Union des syndicats de force ouvrière des Hautes-Alpes ont tous donné un avis favorable. Il est donc demandé au Conseil de donner un avis favorable pour ces dates que je viens de vous citer. Monsieur le maire. Madame Dardenne, vous me dites que vous êtes contre ou c'est bon ? Ou alors je lis très mal les délibérations, mais excusez-moi, ce que j'ai lu, moi, c'est que les syndicats CGT et FO avaient donné un avis défavorable. Oui, oui, c'est ce qui est écrit. N'avait pas répondu. La CFDT n'a pas répondu. C'est marqué dans la délibération. Donc, les deux syndicats CGT... C'est une erreur. C'est une erreur. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais idéalisé la chose. Je me suis dit... c'est vrai, c'est surprenant. C'est comme si vous votiez cette délibération. D'accord. Vous avez été un petit peu trop emballé, là, par cette... Non, ambitieux. Pas emballé, ambitieux, Madame Dardenne. Je me suis dit, tiens, quelque chose d'intelligent qui va être voté par tout le monde. Nous, ça va pas vous surprendre. On va voter contre cette délibération parce que, pour nous... Cette délibération fait la part belle aux grandes surfaces, au patronat, au détriment la plupart du temps des petits commerçants. Et tout à l'heure, je vous le disais, quand on se promène dans Briançon le dimanche, même ces dimanches-là, le dimanche après-midi, faites un tour dans Briançon, faites un tour même dans la vieille ville, et vous allez être surpris de voir combien de magasins sont ouverts. Et du coup, c'est vraiment déprimant de devoir voter à chaque fois une délibération qui mène à rien, en fait. Et donc, on va voter encore. Je vous redonne quand même les dates, Madame Dardenne. 13, 20 et 27 février 2022, vacances. 17 avril, vacances. 1er mai, je vous le concède. 10, 17, 24 et 31 juillet, vacances scolaires. 7 et 14 août, c'est bizarre. Vacances. 18 décembre. C'est le début de la saison. Oui, légalement, le 1er mai, je suis très, très, très étonnée aussi. Parce que même notre librairie rue Centrale est fermée le 1er mai. Très bien. Bon, ben, de toute façon, les positions irréconciliables ne peuvent pas être réconciliées. Donc, j'ai quand même un doute. J'ai lu qu'Anne Hidalgo allait se proposer une candidature unique de la gauche, mais enfin, ça me paraît encore plus improbable que nous puissions voter ensemble le travail le dimanche. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des avis contraires ? Voilà, des abstentions, il n'y en a pas, la délibération est adoptée, monsieur le premier adjoint, pour le recensement 2022. Alors, le recensement de la population permet de déterminer la population légale de la France et de tous ses échanges géographiques, communes, cantons, départements et régions, et est utilisé pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. La détermination du nombre de conseillers municipaux, la détermination du mode de scrutin aux élections municipales, la création d'officines de pharmacie et la réglementation de l'affichage urbain, entre autres. Le recensement permet également de décrire les caractéristiques de la population et ses conditions de logement. À Briançon, l'enquête a été réalisée tous les ans par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, soit 750 logements en 2022. Il vous est donc demandé de prendre acte de la rémunération des agents recenseurs tel qu'il est précisé dans le projet de délibération, ainsi que du montant forfaitaire qui sera versé à la ville. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions ? Une question, qu'on n'a pas posée en commission, mais qui sont les agents recenseurs cette année ? Ah oui, ils ne sont pas désignés. Ils ne sont pas désignés, d'accord. Voilà. Merci. Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée et je vous présente désormais le schéma de mutualisation communautaire. Vous le connaissez ? Je vais tâcher de ne pas rentrer dans le détail, puisque vous connaissez le projet de mutualisation et il a fait l'objet de longs travaux, à la fois côté ville et côté CCB. Mais ici, c'est ni plus ni moins que la mise en œuvre. C'est donc deux délibérations successives, puisqu'on va être amené à modifier le tableau des effectifs pour ce faire. Et donc, vous rappelez que la direction générale des services, qui est commune à la ville et à la CCB, est portée par la ville. Le cabinet, lui, est porté par la CCB, le service communication par la CCB, le service ressources numériques par la CCB et enfin le service des affaires juridiques et des marchés publics porté par la ville et qui sera composé de trois agents,
Voilà, tout simplement, on vous demande ni plus ni moins de nous autoriser à le mettre en œuvre. Ça a été naturellement voté par la communauté de communes. Est-ce que ça appelle à des questions? S'il n'y en a pas, s'il y en a, il n'y en a pas, je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et on vous propose donc, dans la continuité, de modifier le tableau des effectifs pour ce faire. Et donc, vous voyez donc les postes créés en vous précisant accessoirement que du coup, vous avez là aussi le transfert du CCS vers la ville. C'est ni plus ni moins, vous le savez, que le choix que nous avions fait, que de sortir le centre aéré, parce qu'on considère que c'est aussi la compétence jeunesse. Ça permet aussi de distinguer les périmètres entre les élus. Voilà, mais ça change rien au fonctionnement du service. Mais vous le savez, c'est deux budgets différents. Voilà. Est-ce que ça appelle à des questions? Oui, allez-y. Oui, je vais le dire, tout à l'heure j'ai hésité, mais je vais le dire. Hier en commission, on a eu vraiment des discussions très intéressantes sur ces questions-là, avec les élus qui étaient présents, mais aussi avec les services de la ville, qui, voilà, avec qui on a pu vraiment échanger, bien comprendre la mesure aussi, d'avoir voilà, des services qui sont mutualisés, de voir comment... on peut évoluer aussi sur des petites communes et comment on peut travailler de manière intelligente à 13, de faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Et je remercie voilà, les personnes qui étaient là hier soir pour, voilà, pour ces discussions. Écoutez, vous me permettez, enfin, vous savez, je pense... Qui nous permettent d'avancer aussi, je trouve. Je pense que vous savez la considération professionnelle que j'ai pour Madame la directrice des services, pardon, ça me permet de la remercier de son travail aux côtés de Vincent Dordor, et vous dire juste que la philosophie qui m'a guidé là-dessus, parce qu'il peut y avoir des mauvaises expériences en la matière, j'en citerai une, puisqu'elle est publique, le maire de Manosque, quand il a été élu, s'est retrouvé à la tête de la commune, alors que, en l'occurrence, la communauté d'agglomération était portée par une autre majorité, et ses prédécesseurs avaient mutualisé jusqu'au service des finances, des ressources humaines, et donc il s'est retrouvé maire d'une ville dans laquelle il n'avait pas la main sur le service des finances, des ressources humaines. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait séparer ce qui était le noyau dur, si j'ose dire, de nos compétences, chaque collectivité à la main sur ses finances, ses ressources humaines, etc. Par contre, sur les services dits support, très sincèrement, on a vraiment, je pense, des gains à avoir, et autant en termes de temps de travail que de compétences, parce que quand on a une juriste, les problématiques sont souvent les mêmes en termes de jurisprudence, de cas de figure, et je crois vraiment que nous y gagnons. Et sur le numérique, c'était un choix. On n'arrive pas à recruter d'un côté ni de l'autre, alors autant se mettre en commun et faire le travail, puisque... les deux collectivités ont besoin de passer vraiment un cap. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. C'est aussi un gage d'efficacité pour l'action publique que nous portons. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et pour conclure, monsieur le premier adjoint. Pour conclure, c'est exact. Donc il vous est demandé sur cette délibération 28, donc le mandat spécial pour le Congrès des maires, les assises du commerce, il vous est simplement demandé ici d'accorder le bénéfice d'un mandat spécial à M. Arnaud Murgia, maire, aux fins de participer au congrès des maires, représenter la ville au sein du conseil d'administration de l'ANMSM et le 17 et 18 novembre 2021 à Paris, et témoigner des attentes d'une ville comme Briançon dans le cadre des assises... Ils m'ont perturbé. Des assises du commerce qui ont eu lieu le 1er décembre 2021 au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, lancées le 1er décembre 2021. Les frais de séjour, hébergement et restauration seront donc remboursés à leur montant réel, sous réserve de la production d'un état de frais accompagné des factures acquittées et des titres de transport. Merci. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du Conseil municipal en vous remerciant toutes et tous. Madame Dardenne, vous voulez nous inviter à l'apéritif? Merci. Bio. Non, je vous réinvite lundi matin à la gare. Non, je voudrais vous poser une question parce que je voulais... Enfin, voilà, dans le cours du Conseil... Ça aurait pu venir à plusieurs reprises, mais vous nous avez parlé de l'installation de capteurs... pour mesurer la qualité de l'air donc, dans la ville. Donc, ça serait bien de savoir où sont ces capteurs. Et du coup, ça pose aussi la question de savoir si vous comptez en installer des capteurs de CO2 dans les classes de Briançon, parce que vous savez que c'est la seule mesure objective de la qualité de l'air par rapport aux problématiques du Covid et par rapport à l'aération des classes.
Parce que c'est vrai qu'on peut toujours aérer les classes régulièrement, sauf que la seule façon de procéder de façon scientifique et objective, c'est d'installer des capteurs de CO2 dans les classes. Donc je voulais savoir si c'était un sujet auquel vous aviez réfléchi. Alors, je me permets de répondre. Concernant les capteurs d'air, pour l'instant, il n'y a aucun emplacement qui a été défini. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'ils sont situés, si c'est en périphérique ou dans la ville, ce n'est pas encore défini. Dans la chaussée, par exemple ? Il y a j'en ai parlé avec Monsieur Rémy d'Arnica Montana, qui m'a déjà fait un très grand laïus là-dessus, je vous rassure. Donc c'est encore en étude, donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'ils seront. Et concernant les capteurs CO2 dans les classes, je ne m'y suis pas penchée, parce que pour l'instant, ils ont été mis plus en valeur pour la période Covid, en espérant que celle-ci s'arrête d'ici là, ce qui m'étonnerait. Mais pour l'instant, on va rester sur l'aération des classes. Qui sert, vous pouvez me dire, mais les chauffages tournent, etc. Je suis d'accord. Mais ça, ce n'est pas pour l'instant dans les tuyaux, mais je reste ouverte si vous souhaitez m'en parler sans problème. Merci. Excellente soirée à tous, merci.